Ouais, on est là, ouais. Bonjour Lilian et Marine. J'espère que vous allez bien, on arrive très très vite. Ouais. Et bonjour à tous, mesdames et messieurs, on est là pour le live. J'espère que vous allez bien, nous sommes. Bonjour. J'espère que vous allez bien, nous sommes. J'ai déjà dit, je le redis. Salut Simon, aussi, qui est là. Voilà, on est en décembre. On est le 3 décembre. Il fait très moche dehors. Du coup, quoi de mieux que de passer son après-midi à faire un petit live sur God of War Ragnarok, bien entendu. Et voilà, on va chill tranquillement, on va game, un peu plus que les deux dernières fois où on avait plutôt fait un live de 2h, 2h30, on va voir, mais je pense que là on part plus sur un 3h, 3h30, dans l'idée, enfin on va voir où le jeu nous mène, tout simplement, mais de ce que j'ai compris, parce que j'ai lu vite fait des... Oh ça bug ! Waouh, je sais pourquoi. Team s'est lancé. Ne lancez pas Teams, les amis. Attendez. Je suis en train de quitter Teams. On va quitter ça. Ok, normalement, on va mieux. Ouais, je vérifie. Je vais quitter Steam, que je viens de mettre à jour. Peut-être ça aussi. Voilà, on est bien là. Pourquoi ça, c'est là? Hop. Ah non, ça là, normalement, c'est ça là. Voilà. Ok, on est bien. Oula, ça c'est blanc ça. Ok, c'est bon. Du coup, je me suis renseigné un petit peu, j'ai regardé. Parce que pour l'instant, God of War Ragnarok, bon, je trouve que c'est un peu un God of War 1 bis. Hein. Y a pas vraiment de nouveauté, pas vraiment de machin. On a joué que 6h, 7h au jeu max. Mais ça commence déjà à faire, ouais. Et visiblement, l'histoire s'accélère un petit peu. C'est-à-dire que là, c'est un peu tranquille. On a récupéré Tyr, on se souvient, au dernier live. On est sorti de la grotte des nains. La mine, plutôt. Une mine. Et on est en train d'essayer de s'enfuir.
Alors les cheveux, la barbe, ça va pas du tout. Hein. Il va y avoir bientôt un petit rattrapage de décembre là où on va tout voilà. Hein. Et visiblement ça s'accélère, on rentrera dans une dynamique qui pulse et tout. Donc j'ai hâte d'y être parce que pour l'instant, pas que voilà, je suis un peu en mode bon, c'est God of War 1 quoi, God of War 1 qui était très bien, hein, mais voilà. Moi il y a juste les phases d'énigmes qui me saoulent un peu, j'avoue. Et voilà, t'es beau coach. Oh merci Lilian. On est là. Mais bon, faut le plus beau Lilian entre nous. Hein. Franchement, y a pas photo. Hein. Y a pas photo. J'ai pas mis de message sur Discord. Attendez. Sur mon Discord, je parle bien entendu. Je mets juste un petit message. J'aime pas trop faire la pub de mes lives, c'est pas, parce que en vrai, je live pour moi surtout, pour partager avec les autres et puber un live pour dire ouais venez. Pas trop mon truc. Mais bon, sur mon Discord, je le fais quand même. Yo, on continue. God of War. Pendant une bonne partie de l'après-midi. Je vais même mettre. Yo, il fait pas beau. Yo, il fait pas beau. Voilà. Je vais mettre ça aussi vite fait sur Twitter. Parce qu'on sait jamais. Des fois, il y a des gens qui passent, qui. Merde. Qui lâchent un petit truc. On sait jamais. Peut-être que dans 6 mois, on sera. Non, en fait, non. Je vais même pas finir cette phrase. On ne sera jamais connu sur Twitch. Sachez-le, mesdames et messieurs. Je stream pas du tout assez et j'ai pas de talent. Ok. Twitch.tv/AlcorTV. Twitch. On met les hashtags là. Affilié, TwitchFR, stream, streamfr, streaming, machin, streaming. Hop, God of War. Voilà, allez, bam. Yo, il fait pas beau, on continue God of War. Voilà. Pas de faute d'orthographe. Ne faites pas de faute d'orthographe. Surtout si on se relie. Encore si on se relie pas, ça arrive, mais si on se relie. Faut éviter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai un message privé là? Un mois gratuit, Nitro? Pourquoi Nitro me dit que j'ai un mois gratuit? Je sais pas, on verra. Apparemment, il y a un mois gratuit, Nitro. Ok. Machin. Ok, bah mesdames et messieurs, on est juste parti. On va lancer la PlayStation 5. Elle est déjà lancée. Plot twist. Elle est déjà lancée. N'hésitez pas à boire une petite goutte d'eau. C'est toujours du bien. Chez vous. Ah oui, avec Twitch Prime, je crois. Ah ouais? Oh, nice. Petite goutte d'eau. Impossible de synchroniser les données de. Je m'en fous de Gran Turismo. God of War. Vous pensez que je suis pas en rythme et je le suis pas parce que j'ai un décalage de son de une demi-seconde avec mon casque, c'est super. Ok go! Santa Monica Studio, God of War. JB, l'eau est une longue histoire d'amour. Sachez que l'eau est la meilleure boisson que vous puissiez boire sur cette planète. Voilà. Et ne partez pas quelque part pendant une journée ou pendant une après-midi sans prendre de l'eau. C'est ce qui vous permettra d'être bien. Qui aime avoir soif? Pour ce doute, le Ricard, bien sûr. Qui aime avoir soif, en fait? Personne n'aime avoir soif. Vous imaginez, vous avez la bouche pâteuse, que vous avez qu'une envie, c'est de boire de l'eau. Personne. Buvez-en maintenant, plus tard, il n'y en aura plus. Exactement, c'est ce qui se dit en plus. Allez, on part sur God of War. Pour ceux qui veulent pas se faire spoil, c'est le moment de partir. Déjà. Salut Loams. Et pour ceux qui veulent rester, profiter. Après, bon, on chill, hein, mais voilà. Petit rappel des événements précédents. C'est vrai qu'un bon jaune sans eau. Pur comme ça. Vous buvez ça pur? Non. Rappel des événements précédents, mesdames et messieurs. Nous sommes dans le monde des vivants, pas du tout. Nous sommes Kratos, nous parcourons le monde au début du jeu, on était chez nous. Oh let's go les 15 mois. Merci pour le sub. Ping. Il faut que je mette une musique en plus là-dessus. Non, on ne fait qu'accompagner à la meilleure boisson. De l'eau, exactement.
On est Kratos, on était au début du jeu dans notre petite maison, on vivait notre vie tranquille, quand Thor et son très cher père Odin sont venus nous voir pour nous dire on va vous foutre la misère. Ah non, ils nous disent plutôt laissez-nous tranquille et faites notre life plutôt que de chercher Tyr. Parce que visiblement ils veulent déclencher, enfin il y a Ragnarok qui va se déclencher, je sais pas quoi. Tyr étant un ennemi d'Odin, Atreus, fils de moi, de Kratos. aussi appelé Loki, qui est un géant, machin et tout, est en train de chercher Tyr parce qu'il veut des réponses à ses questions de qui il est, de quel est son rôle dans la vie. Il est un peu en crise d'adolescence, il est un peu perdu et il veut des réponses à ses questions. Du coup, nous sommes partis en quête de la recherche de Tyr, notamment pour nous aider à combattre le Ragnarok, bien entendu. Sachant qu'on a fait un petit fight en 1v1 avec Thor, ça s'est pas très bien passé. Hein. Enfin, c'était un peu compliqué. Et nous sommes allés dans le monde des nains, à savoir Svartalfheim, parce que visiblement Tyr était là-bas. Nous sommes donc allés dans ce monde, on a fait 2-3 trucs dans l'eau, une petite quête annexe ou deux. Question triviale poursuite, oh, vous savez que ça fait longtemps qu'on avait fait une question triviale poursuite et tout. Mon site il marche encore? Attendez, on a un truc là. Attendez. Normalement j'ai une scène quiz. Ça marche! Mais. Attendez, et normalement j'ai point d'exclamation. Scoreboard. Oui! Mais est-ce que je suis toujours connecté? Parce que je me souviens plus des mots de passe. Parce que je pouvais rentrer les scores et tout. Je suis connecté! Mesdames et messieurs, faites un F5, rafraîchissez votre page. Lilian vient de déclencher une question Harry Potter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le site que je vous ai envoyé, mais surtout sur l'écran ici, nous avons un leaderboard, bien entendu, des gens qui répondent bon aux questions. Bien sûr, le numéro 1. Est-ce que ça se voit bien ou est-ce que c'est... Ah, ça se voit pas très bien en blanc sur... Faudrait que je l'écrive en noir, ça. Bon, je le changerai. Y a pas de souci. Ça sera mieux en noir. Mais c'est pas grave. Le numéro 1, bien sûr, sur ce stream, c'est le Trivial Pursuit Harry Potter. Et oui, parce que si personne n'a la réponse à la question, eh bien... Attends, je vais mettre un peu de musique. Si personne n'a de réponse à la question, eh bien, c'est le jeu qui gagne le point. Tout simplement. J'ai un petit site avec une petite base de données sur Firebase qui stocke ça. Rien de bien particulier. On avait dit qu'à terme, on ferait des graphiques, meilleurs machins du mois, machin et tout, sauf que je stream quasiment plus, donc du coup... Pour l'instant, c'est mis de côté. Voilà. Nous avons ensuite en deuxième position, bien sûr, l'autre quiz, le Family Con quiz. Et sachant que j'ai des questions... Alors, je sais pas si je l'ai mis, mais j'ai des questions Star Wars maintenant. J'ai des questions Star Wars. Mais je crois que je les ai pas mises à disposition. Je les ai pas mises à disposition. Lilian, est-ce que tu veux une question Harry Potter ou est-ce que tu veux une question Star Wars? Voilà. Et en fonction d'eux, sauf que Star Wars, je pourrais... Est-ce que je peux créer un jeu? Non, faudrait que je crée le jeu Star Wars, mais je le créerai plus tard. Me dis pas ça. Et tu laisses aller côté barbe, j'y vais là. Ouais, je sais. En plus, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais en mode. Ma barbe, c'est n'importe quoi. Mais vous inquiétez pas, en décembre, il y a le refresh de décembre pour les cheveux et la barbe. On va être tout beau, tout propre. Je pense que je vais peut-être faire ça la semaine prochaine. On va voir. Et puis voilà. Donc, on part sur une question Star Wars ou une question Harry Potter, Lilian? Tu décides parce que du coup, vu que j'ai pas mis l'option. Par contre, si c'est une question Star Wars et que vous savez pas répondre, voilà, et Movember est fini, c'est vrai. MDR Harry Potter, ça y est. Ok, question Harry Potter, parfait. Mesdames et messieurs, c'est le premier qui donne la réponse, mais dans cet encadré-là, d'accord? Regardez pas votre chat chez vous parce que vous connaissez, vous êtes un client. Dès que vous envoyez votre message, j'affiche directement. Mais le temps qu'il arrive jusqu'au serveur, peut-être que quelqu'un a répondu en même temps ou quasiment en même temps. Vous allez le voir en dessous et moi, je vais le voir au-dessus parce qu'en fait, moi, je vais voir tout ce qui arrive en premier côté serveur. Voilà, vous avez compris l'idée? Bref. Donc c'est bien le premier qui arrive ici. C'est vrai qu'il faut même le chat là, il faudrait qu'il sonne. Attendez, mais mon chat de base, il est comme ça? Mais en fait, on voit rien. Enfin, c'est un peu... C'est pas très lisible ça, en fait. En vrai, on est d'accord, non? Pourquoi personne m'a jamais dit que c'était pas très lisible? Je suis en train de m'en rendre compte, hein, alors que ça fait plus d'un an que j'ai cette scène. Bon bref, est-ce que vous êtes prêts? Mesdames et messieurs, la question. Pas poser ça parce que ça va poser des doutes. Oh! Oh, ça c'est dur. Ça c'est dur, ouais. Ok, on va faire une question simple. Question simple. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Nous cherchons un sorcier. Qui est devenu maître de la baguette de Sureau après Albus Dumbledore?
Ils sont plutôt simples, ça vaut un point. Voilà, si vous l'avez, vous l'avez. Si vous l'avez pas, vous l'avez pas. Qui est devenu maître de la baguette de sureau après Albus Dumbledore? Vous avez droit qu'à une seule réponse. Loams qui répond Rogue, mais ce n'est pas Rogue. Et Lilian qui répond Malfoy. Et bien sûr, c'est Malfoy. On se rappelle Harry Potter 6 et le prince de sang mêlé. À la fin, c'est bien Drago Malfoy qui désarme Dumbledore qui a la baguette de sureau avec un Expelliarmus. Même si Rogue le tue après, ça a compté le désarmement pour la baguette. Et donc, c'est Drago Malfoy, le big boss de la baguette, bien entendu. Et on se souvient, bien sûr, dans le set partie 1, on a Harry Potter qui prend des mains les baguettes à Malfoy. Et donc, du coup, bah, par conséquence, il devient à son tour maître de la baguette de sureau alors qu'elle est même pas là. Mais bon, ça fait un point pour Lilian. Et bah, écoutez, je vais rajouter ça sur le score. Alors, Lilian, je crois que je t'avais pas dans le... dans les trucs. Est-ce que j'ai mis une majuscule à tout le monde? Non. Non. Ok, donc c'est Lil Sky. Voilà. Il faut que j'ajoute un viewer. Attendez, bougez pas. Hop, hop, ajouter viewer. J'ai ajouté viewer. Il a mis un point sur Trivial Pursuit Harry Potter. Un point. Validé. Lilian, tu viens d'apparaître. Je te montre. T'es où? T'es là. Il y a beaucoup de gens qui ont un point. Hein. Alors après, c'est par ordre alphabétique. Hein, donc, chat. Pour ceux qui ont des noms voilà, et qui mettent pas de majuscules, puisque c'est les majuscules en premier. Nous avons Lilian qui vient de faire son apparition. Bien sûr, il faut faire quelques points hein, pour pouvoir passer dans les tops. Mais voilà, bien joué à toi. Et puis nous allons repartir sur le jeu directement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas posé une petite question, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Incroyable, incroyable. Bravo pour la réponse en tout cas. Et Loams qui fait la même erreur que Voldemort. Voldemort croit lui aussi que c'est Rogue, le big boss de la baguette. Puisqu'il sait que c'est Rogue qui a tué Dumbledore. Et c'est d'ailleurs pour ça que Voldemort tue Rogue. On connaît ou on connaît pas ici? Très bien. Où est-ce que j'en étais? Oui, on a récupéré Tyr. Vous vous souvenez, Tyr, machin et tout. On lui a dit, t'inquiète, on veut pas que tu te battes avec nous. On l'a retrouvé chez les nains, parce qu'on nous a dit qu'il était là-bas. On vient de le libérer d'un endroit où il était emprisonné. Et là, on est juste en mode full fuite pour partir de la mine et du monde des nains. Sauf que il y a des méchants d'Asgard qui sont venus parce que eux ils aiment pas Tyr et c'est eux qui les ont emprisonnés et ils sont en train de nous attaquer en nous disant dude, pourquoi t'as libéré Tyr, on veut te tuer. Et maintenant c'est la fuite, tout simplement. Oh damn. Oh shit. On joue en extrêmement difficile, la difficulté maximale du jeu. Donc vous allez voir, alors ce qui est bien par rapport au 1, c'est que dans le 1, ils étaient juste giga tanky. Dans le 2, ils nous défoncent la gueule. Mais au moins, ils sont pas giga tanky, même s'ils sont un peu tanky. Du coup, pour l'instant, on reste en difficulté max. Et voilà, tout simplement. Ah, mais. Oh, bah, c'était rapide. La fuite fut rapide. Enquête de Tyr, terminé. Tyr, c'est le grand qu'on a vu juste à côté de nous là. Oh, les écrans blancs là. Oh. Cela faisait si longtemps. C'est lui, Tyr. J'avais oublié la beauté. Oh. Allez, coach, fasse une bonne après-midi. Que la force soit avec toi, des bisous. Merci, Lilian. Bonne après-midi à toi aussi, des bisous. Les géants parler de Loki. Je regrette. À Marine et toi, bien sûr. Ne me dit rien du tout. Ah. Les géants sont. Bon, j'avance parce que. Voilà quoi. Je comprends. Avec un peu de repos. Et fluide. Ouais, c'est ça. Ok, désolé, je regardais si le live allait bien. Oh. Et là, du coup, on va revenir où? Ah, on revient à la maison de l'arbre. Nous sommes tellement la personne de la série Ring of Power. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'accord. Il est fatigué. Je lui ai promis à manger et une chambre pour se reposer. Ah, évidemment. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Entre. On arrive tout de suite. Et ben ça alors. On arrive tout de suite? Pourquoi, genre, on n'y va pas? Pourquoi on les a pas juste suivis? On peut discuter. Ah! Ce qu'on va faire ensuite. Oh, le petit talk. Beaucoup d'éléments sont à prendre en compte. Nous en parlerons demain matin. Je veux pas spoil. On spoil pas. On spoil pas pour ceux qui ont pas vu. Mais ça. D'accord. Va. Là, t'as rien spoil. Demain alors. Il a dit quoi? Il a dit va te faire. On parle demain matin. Ok, on parle demain matin. Ok. Ne bouge pas. Ah, il lui enlève. Jure, un coup de marteau, ça a suffi. C'est beaucoup mieux. Merci. Tu vois? Bonne nuit, Tyr. Je vous laisse. Grosse journée demain. Bonne journée demain. Bien, Tyr.
Je crois que des promesses ont été faites. Voyons où nous pouvons t'installer, d'accord ? Si tu veux bien me suivre. Hé ! Viens donc voir ce que j'ai à te proposer ! Voilà. Je suis sûr qu'on ne dérangera personne ici. Tant que je trouve un endroit. Moi qui m'appelle. Tu auras un peu de temps pour construire un lit adapté à ta stature. Oh. Oh. Ne t'inquiète pas pour moi. Trop d'espace serait... Oh, il a l'air bien là. Aurais-tu un placard à balai ? Oui, mais... Un placard à balai ? C'est là que je range mes balais. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et pour être honnête, okay. C'est tout ce que je pourrais supporter. Très bien. Bon, je crois qu'il faut que j'aille voir Brock. Bonjour, Brock. Alors c'est tout ce qu'il reste de tir, hein ? Là d'où je viens. Ouais. On aurait dit qu'il en a foutrement bavé. Comme nous tous. T'es un vrai bout en train, toi. Un peu plus fort. Ah, c'est tout. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe ? Allons-y. J'ai rien, hein. Qu'est-ce que tu veux ? Moi, j'équipe ça parce que je veux de la force. Je peux pas l'améliorer. L'âme du chaos, je peux pas améliorer. J'équipe ça parce que je veux de la force. Merde, j'ai un truc full force, là. 4. Ouais, mais là, ça me donne la chance d'avoir de la force, en plus. Bouclier. Je peux pas l'améliorer. Pourquoi il m'a dit de venir, en fait ? Bien. Oui, c'est ouvert. Armure, peut-être ? Non ? J'équipe ça ? Ouais. Oh ! Et ça, c'est nul, hein. Ah oui, j'avais dit que j'attendais d'avoir un meilleur truc en full force. Ok. Eh ben, quand tu veux. Je vais créer une petite pierre de résurrection, là. Fait plaisir, ça. Et je te vois un artefact. Mais c'est... Merci. En fait, il veut rien. Bah, moi ici, les gros, Y'a quoi là-dedans ? Je savais qu'on avait oublié quelque chose. Reste de bête, argent, ok. Ah, c'est ce que. Ah, c'est ce que je loot pas au sol, ça arrive là ? C'est parfait. Tiens, est-ce qu'on peut parler ? T'as pas l'air très confortable quand même, hein ? Peut-être que j'arriverai à dormir cette nuit. Il a pas l'air très confortable. Vraiment, du sommeil d'un homme libre. Que l'œil d'Odin ne viendra pas troubler. Il voulait pas venir à la base, hein. T'as vite pris tes aises, mon ami. Ah, faut que j'aille là-bas, ok. Ah, mais je vais juste dormir, non ? Je pose lumière. Qu'est-ce qui te tourmente, mon frère ? Oh, le petit talk avant d'aller dodo. Je réfléchissais. J'aimerais que tout redevienne comme avant. Eh bien, j'aimerais pouvoir grimper aux arbres. Pourtant, il ne faut plus y compter. Bah super, bro. Je regrette qu'Atreus soit si... impatient. Je crains pour sa sécurité. Je sais, mon frère. Mais le tenir en laisse ne le gardera pas du danger. C'est clair. Le petit semble résolu à commettre ses propres erreurs. Et je n'aime pas l'admettre, mais je crois que Tyr en est une. Je n'ai jamais vu un homme à ce point dévasté. Sa peine est récente. Tu lui en demandes trop. Oui. Peut-être. Oh non. Dommage que Freya veuille ta mort. Elle serait une alliée de choix. Ce n'est pas une option. Non. Tu as sans doute raison. Tu as du mal à dormir. Chut. Ça va pas de me faire peur comme ça. Putain, faut pas espionner les gens. J'ai quelque chose à faire à Midgar. Quoi ? Sans moi ? Je croyais que nous faisions équipe. Oh, me dis pas que je vais le contrôler. Je savais pas que t'aurais envie de venir. Je rends visite à une amie. Il va avoir Freya ? Oh, je vois. Ou alors, tu pourrais rester tranquille, sachant qu'elle est déterminée à te tuer. En effet. Elle ferait jamais ça. Écoute, je trouve ça formidable que tu vois le meilleur en chacun de nous. C'est merveilleux. Et j'aimerais que tu continues sur cette voie en évitant de te jeter dans la gueule du loup. Brock. On a besoin d'elle. Ça vaut la peine d'essayer. En es-tu sûr ?
Non. 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 Que dirais-tu d'une alternative ? Bien moins risquée, mais qui t'apporterait peut-être quelques réponses. Qu'est-ce que tu veux dire ? Quoi, je contrôle la tribu ? Un ami que tu n'as pas revu depuis longtemps. Qui ça ? Un très, très grand ami. Jormungandr ? Tu l'as trouvé ? Et si je te montrais ? Puisque c'est sur notre route vers la déesse vengeresse qui veut ta mort, cela nous laissera le temps de décider de ne pas y aller. Alors, tu sais où est Freya ? Kratos ! Enfin, si. Mais écoute, commençons par aller voir le serpent. Et ensuite, ah oui, je ne t'emmènerai serpent, pas le voir gros. Freya. Ça te convient ? Kratos, je m'enfuis ! Quoi ? Je peux rentrer ? Attends, qu'est-ce que tu fais ? Ah. Je te fais marcher. Putain. Ah, donnez-moi une hache là. Mais oui, lui aussi il a une pierre. Il en a donné une à chacun. Ravi de voir que tu as ta clé des Grasil. J'ai dû oublier la mienne. Tu ne supportes déjà plus tes invités ? Pardon ? Ah, ça y est. Non, j'ai besoin d'un peu d'air frais. Pour ce qui est du frais, tu vas être servi. Pouvons-nous faire un saut chez toi avant d'y aller ? Ton ami poilu te joindra-t-il à nous cette fois ? Oh. Non, je voulais te le dire. Il est mort. Il est mort. Oh. Je suis désolé de l'entendre. Oh. Oh, ça a l'air cool de se battre. Toujours très propre. Je te prendrais bien dans les bras, mais mieux vaut éviter des traumatismes utiles. Ah, je fais pas de roulade par contre, je fais juste ça. Ok. Putain, j'ai Atreus. J'ai senti quelque chose de terrible près de la tour des Lines. Tu te souviens comment il... Oh, damn, mais qu'est-ce qui se passe ? Oui. Et du coup, attendez. Pouvoir de l'arc. Peut l'améliorer ? Allez hop, ça c'est fait. Oh, j'ai libéré tout ça. Ok. Juste après les rameurs. Mais ça veut dire qu'on va le contrôler souvent lui. Je sais ce que j'ai senti. Ça c'est le pouvoir de l'arc. Il s'est passé pas mal de choses et j'ai besoin de réponses. Ah non, ça c'est pas le pouvoir de l'arc. Le pouvoir de l'arc c'est ça. Comment je déclenche ? Non, c'est ça. Wouah. Wouah. Ouais, c'est ça. Je confirme que c'est ça d'ailleurs. OK. On y va. Toi aussi tu casses ? Coffre. Ah non. Pas nul. Facile, hein. Tais-toi ! Bon putain, si c'est si long à chaque fois, on est dans la merde. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui. Alors, que s'est-il passé ? Les flèches uniques consument charge de flèche qui se recharge progressivement. Père oui. A dit que j'ai lancé un sort à la mort de Fenrir. Mais je ne sais pas de quoi il parle. Magie accidentelle ? Voilà qui est troublant. De magie accidentelle ? L'élévateur est cassé. Il n'y a pas que de la magie accidentelle. Je me suis changé en ours. Oui, c'est vrai ça. Avec la bave et tout ? Oui. Mais je veux pas aller là. Mais j'ai perdu le contrôle. Freya connaît la magie mieux que quiconque. Elle pourrait m'aider. Pas la magie des géants. D'accord, Sindri. On va le faire à ta façon. Un énorme serpent venimeux, c'est bien moins dangereux. Allons voir un giga serpent, bien sûr. Non, mais c'est un bourre, ouais. Par contre, je gagne beaucoup de thunes. Putain, je savais pas qu'on avait contrôlé Atreus. Bonjour. Tire sur le baril. Oui. Non mais. Super, Sindri. On prend un débile ou quoi ? Ça non. Bah. On est coincé. Comment le bras de la statue de tir est arrivé là ? Trouve un moyen de passer et je te le dirai. En charge. Ah, je dirais que tu as fait ça toute ta vie. Attends, mais demi-tour, hein. L'argent.
Merci. J'arriverai jamais à soulever ça. Tu veux bien m'aider ? Ne compte pas sur moi. Va savoir où ça a traîné. Je peux pas. Mais rampe ? Mais... Mais rampe ? Mais... On va passer en dessous de ça ? Ça, c'est un peu dommage dans God of War, mais bon, après, c'est normal, il faut bien des limitations, mais... On dirait qu'on peut passer, et en fait, on peut pas du tout passer. Il y a quelque chose de caché près des rameurs. Si seulement j'avais de quoi brûler ça. Oui, si seulement ton père était là. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Brûler ça, là ? Oh, je peux taper avec ça ? Mais je dois faire quoi, là ? Ah. Alors, le bras de tir ? Ton père avait une tête de sang envers Thor. Ok. Il l'a remboursé. Waouh, c'est passionnant. Ok, là je peux passer. Dis-moi, est-ce que ça risque de se reproduire ? Je veux parler de la transformation en ours. Je deviens un giga-ours, peut-être ? Aucune idée. Monstre. Ah, oula. On a de la compagnie. Je peux compter sur toi ? Si tu crois que je toucherai à ces boules de crasse... Qui a dit que tu devais y toucher ? J'aime cette manière de penser. D'accord. Il faut y aller ! En voilà une belle arme ! Ulfa Uta ! Voilà ! Il est où l'autre ? Yalfa ! Voilà! Je suis un archer, monsieur! Tu peux pas tuer? Je veux bien un petit coup de main! D'accord, oui, je vais. Y'a le pas! Je peux pas le taper, lui? Ouah! Non! Quoi? Mange pas? Tu ne saignes pas trop! Il est passé niveau 2? Chenet! Tiens toi! Oh c'est stylé en vrai! Voilà! Ah je peux faire ça? Prends ça, sale tas de cailloux! Ne me bouge pas! Ouah, Sindri! Quelle violence! Je ne sais pas s'il s'en remettra! C'est toi! Tu veux que je t'aide ou pas? D'accord, très bien! Ah! J'ai pas vu! Tiens le feu! Ah oui, il est giga fort en vrai le nain. Il est giga fort le nain. Voilà. A qui le tour ? Ça se passe bien. D'accord. Ah oui, là. Ça marche comment ? Si je le lock. Ah oui, d'accord, ok. Peut-être locké en vrai. Peut-être merci les locker eux. Sacrifier tous ces objets de ton sac à malice. Tu avais grandement besoin d'aide. Si tu le dis. Oh, ça va. Je peux pas juste ouvrir le coffre par le haut quoi, ça marche pas. Je peux pas les détruire. Je sais pas pourquoi j'ai pris un coup, par contre à un moment je pensais avoir shield, mais j'ai du mal shield. Je crois que le mécanisme est cassé. Ah non. Mais qu'est-ce qu'on fait? Tu dois pouvoir le réparer, non? À moins que ton frère soit le seul à avoir du talent. Ouais, ton frère soit le seul à avoir du talent. Quel bâtard. Si je dis oui, tu sais que ça confirme que seul Brock a du talent. Comment il a autant de trucs dans son sac là? Mais what the fuck, sort ça d'où? Voilà. C'est Hermione donc. Granger. Marnie. Allez viens, remonte. Pourquoi tu t'inquiètes autant aujourd'hui? Parce qu'il faut que je protège les personnes auxquelles je tiens. Éviter qu'il leur arrive du mal. Ah. Freya ne me tuerait pas. Vous voulez y aller, et le serpent monde n'est sans doute même pas dans le coin. En plus il m'aime bien. Il ne m'a mangé qu'une seule fois. J'avais choisi d'effacer ce souvenir de ma mémoire. Voilà, nous y sommes. Oh, c'est beau, eh.
Qu'est-ce qui se passe? Petit serpent, es-tu là? Il est parti, tu vois. Ça dépend. As-tu essayé de l'appeler? On est allé souffler dans la corne. Ce n'est pas de la corne dont je parlais. Yormuteyum, c'est nous. Petit serpent. C'est pas bizarre du tout. Oh. Chut. Oh. Elle est là. Oui bah faire gaffe aussi. Il tient sa jambe. Va bouger. Il est pas si petit que ça. Ya! 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 Oui! Il parle baleine. Non, il parle serpent, du coup. Le bois de fer? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu vas dire? On ne voudrait surtout pas te retenir! Là, tu parles dans un. Tu parles dans un. Ouais. Efficace! Le bois de fer? Qu'entend-il par là? Le bois de fer, la part de fer! Qu'on aurait dû rester chez nous. Ah. Rentre, tu veux? Ah. Bah, zéro rentrée. Rentrer là? Ah. Faut tourner à l'accès mystique. La porte est gelée. Peut-être que je peux. Ah, tu peux pas. Oh. Pas casser l'arc, hein. Tu veux bien me laisser faire. Il peut le faire, lui. Vas-y, fais. Quel est ton plan au juste? Approcher le vieux conseil des Valkyries en espérant que Freya soit de bonne humeur? Eh bien, maintenant que je sais où la trouver, oui, c'est exactement ce que je vais faire. Merde! What the fuck? Ne dis pas à Brock que j'ai juré. Parlez à Freya. Ça lui ferait trop plaisir. Je peux passer, s'il vous plaît. Écoute, Baldur a essayé de la tuer. Nous n'avions pas le choix. Pas sûr qu'elle le voit de cet œil. Je ne compte pas lui demander. Et puis, c'était tes flèches après tout. Tu as parfaitement raison. Et c'est pourquoi je suggère vivement que nous ne fassions pas. Bon, il se déplace vite, hein. Oh oh. Il court bien plus vite que Kratos. Waouh. Oh merde, j'ai tiré dans le vent.
Voilà. Et voilà. Raté. Raté. Lors d'une flèche, c'est tout. Tout ce que tu mérites. Attaquer les jarres enflammées pour les faire exploser et dégager des débris. Oui, mais je sais ça. Pas blague. Aïe. Oh merde. Oh shit, j'ai pris des dégâts. Hein? Bam. En vrai ça va, ils sont vite Ah mais il est pas mort du coup. Ah, j'ai voulu chier, mais trop tard. Ah oui d'accord, ok, en fait il est pas en mode je te tue, il est en mode t'es à la limite de mourir. Cette fois j'ai eu mon compte de sensation. Ah merde. Oh que non. Il y a un truc il y a un truc bleu. Oh dis-moi que je peux revenir derrière. Oui, je peux. En fait le R3 il est pas rouge, il est jaune. Et du coup ça montre juste que je vais lui mettre des dégâts et c'est tout. Je vais pas le tuer. Pourquoi il a dit oh non? Et si c'était un signe? Ne fais pas l'enfant. Je t'attraperai. Voilà. Je te laisse pas tomber cette fois. D'accord. Alors passe entre les royaumes. Tu sais que ça ne marche pas comme ça. Même si je le regrette, par Bestla. Bah viens. Voilà. Quoi? C'était pas si terrible. Il a de la force, hein. J'espère que je n'aurai jamais à refaire ça. Ah, c'est son. Mon atelier. What the fuck? Si je ne peux pas t'arrêter, alors... Je ne t'accompagnerai pas plus loin. Ah! Réparer tout ça. Comme tu veux. Mais du coup, je peux pas. Ok, je peux pas marchander avec toi? Tiens. Nouvelle compétence disponible. Ah oui, là! Ça, je l'ai déjà. Élargir la zone d'effet d'explosion sonique déclenchée par Atreus. Ouais. Appuie sur Y pour vous propulser vers un ennemi et le frapper avec force. En fait, j'ai des dégâts. D'état correspondant à la flèche runique équipée. Partiellement efficace pour se rapprocher d'ennemis mobiles. Bien ça. Et après, agression. Ah! Et après, c'est le même truc que. Ok. Ok. R1 pour faire tomber et frapper un ennemi. Tu veux de maintenir R. Maintenir R1 pour faire tomber. R1 pour infliger d'importants dégâts d'étourdissement et augmentant le nombre de coups au corps à corps. Bam, 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 bam. Ok, on ensuite R2. Ok. R2 pour bande. On dirait l'arc effectue une vaste. Machin. J'aime bien ça là. Quand je suis en visée, c'est ça hein. Quand je suis en visée, je fais triangle dès que je me rapproche. Vas-y. Pas mal. Mais il lance quoi? Aucune idée. No idea. M'éloigne un petit peu là. Tu es sûr de vouloir aller là-bas en portant la pointe de flèche qui a tué son fils? Je la cacherai sous mes vêtements. Et puis, c'est un rappel. Il faut être meilleur. L'arme d'un meurtre fait de toi une meilleure personne? Elle me donne du courage, d'accord? Est-ce que c'est si mauvais? Si cela te pousse à croire que tu peux convaincre Freya de quoi que ce soit, alors oui. Il faut que j'essaie. Comment on se parle là? Juste on crie très fort dans la falaise là? Ouh. Sur la jarre enflammée. D'accord. Joli. Allez, continue. Tire sur la jarre enflammée. Pourquoi il me donne des tips à chaque fois là? C'est une bonne idée. Tu n'as même pas de plan. Brock dit qu'on s'en sort parfois mieux dans le chaos. Je suis assez d'accord. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est le cas ici? Tu risques ta vie. C'est le Ragnarok. Nous devons agir et on n'a plus d'options. Vivre! Vivre est une option! C'est bon, on a compris. Et maintenant, par où se trouve le conseil? Si je continue à monter et à avancer, je devrais finir par me tuer. Oui, probablement. Wow.
Et là, vu que c'est rouge, ça le tue. Let's go. Ok, j'ai compris. Là, ça tue. Hop là. En vrai, c'est trop stylé ce battre. Merde, j'ai pas vu. Se battre avec lui. Et ouais, j'ai l'impression que les coups à la tête, ça fait plus de dégâts de machin. Encore de la pierre de son. Y'a pas. Attends, y'a pas de jar? Visiblement non. Ah. C'est bloqué. Je dois détruire ce bouclier Sonic. Oh, déjà. Je vois. Il me faut un meilleur angle sur la pierre de sang. Ben d'accord, ok. Viens le pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai shield. Ah, c'était rouge peut-être. Oh punaise, j'étais en dessous, ça va. Wow, c'était close. Je crois que son coup est passé juste au-dessus de ma tête. Oh. Je prends. En fait, se battre avec Atreus, c'est quand même cool parce que du coup, il y a vraiment la mécanique arc qui est intéressante. Super, vous voyez comme ça. Plus intéressante que la mécanique je lance des lances, je trouve. Je lance des haches, pardon. S'il me faisait confiance, j'aurais pas à lui cacher des choses. Comment puis-je te faire confiance si tu me mens? En fait, je comprends l'ironie. Si au moins tu m'écoutais, je pourrais dire la même chose. Comment elle limite, disons ça me fume. Que j'ai de qui tenir. Oh shit. Viens le fort. Au-dessus, il y a quelque chose. Non, c'est ça. Mais du coup, ça le bloque. C'est trop fort. En plus, ça pousse. Qui m'attaque, quoi? C'est vrai. Merde, lui, c'est amélioré, du coup. Fuck. Oh, je suis mort. Oh, il m'a mis un revers. Ok, c'est chaud, ils sont 3. Plus le gars là-haut. Il faut pas que je les laisse passer niveau 2. Oh, j'ai pris un poum dans la gueule. Ok. Dommage, le temps est pas ralenti pendant ça. Que j'ai pris. Oh putain, je l'ai pris vraiment. Putain, je pensais que j'allais dans le ciel. C'est chaud, j'ai plus faim. Ah, il est tombé. Merde. Oh, j'ai pas eu de chance. Ah, je peux le pousser avec l'arc. Ok, ok, attendez, je commence à prendre en main Atreus en combat. Ah, j'ai pas eu le temps. Tiens fort. Non. Dans le 2, c'est chaud.
Ah ok, c'est bon. Il y en a encore un. Ah, je le pars pas, mais oui. Mais voilà, je donne tout à coup sur un pour parler. Je sais. Ok, ça va, c'est pas mal. Allez, toujours plus haut. Bam. Je récupère beaucoup. Je me demande ce que Mère ferait. Pourquoi tu lui fais pas confiance? Pourquoi tu m'en parles pas? Bien embêté lui là. Je vous connais, Santa Monica Studio. On a joué Elden Ring. Oh, j'ai tiré une flèche normale. Quel bâtard. Jérôme est trop tard. Imagine dans la vraie vie ça t'arrive là. T'avance tranquillou puis d'un coup. Bam. Comment je fais? Pourquoi ça m'a attaqué direct en fait? Est-ce que ça a compté les trucs que je suis allé chercher? Oui. Ça va, c'est gentil. C'était un bug ou c'était normal? Parce que là, il y a rien. C'est trop chelou. Ah, pas moi qui fais ça. Bam bam bam. J'espère que c'est la bonne direction. Si seulement j'avais une boussole. Il n'y a pas d'autre direction. C'est eux là. C'est trop chelou, c'est eux qui. C'est... J'ai l'impression que c'est eux qui m'ont attaqué en fait. Il a un bouclier en fait. Il est partout. Oh, il part ça. Bah alors, je suis derrière toi mon pote. Tranquille. Ta race. Je sais pas si je l'ai pas amélioré sans faire exprès. Il a aussi un bouclier. Bon, j'ai fait juste attendre. Je vais chercher lui d'abord. J'ai range illimité, je sais pas si j'ai range illimité ou pas. Ah,
Putain. Putain. Hop là. Aïe. Allez, par terre. Je pousse. Allez, ça dégage. Ok. Ok, je vais. Tiens, tiens. Ok, quand ils sont tankis, c'est chaud par contre, hein. Y'a rien. J'ai pu tuer les deux là-bas. Je crois qu'il y a ça aussi. Mais. Y'a rien. Comment je fais ça? Comment je détruis ça? Derrière peut-être? Bien vu l'ami. Hop là, le gros coffre rouge. Je sais pas si je vais réunir mes thunes ou pas. Parce que là. Ah si, 8000. Si si, elles sont réunies. Elles sont réunies entre Atreus et Kratos. Ça va. Sinon ça sera un peu chaud. Ok. Ça va bien se passer. Ah, c'était peut-être normal. Oui. Ça va aller. Brian est sûrement plus très loin. Ça se one shot. Qu'à trouver cette grande porte. Viens là. Trouvons la grande porte. Encore un giga coffre. Ils sont généreux en coffre, hein. Ça. Hey, c'est toi là-haut. Quoi? Bonjour. Oui, c'est moi. Ouais, en bas. Hey, as-tu retrouvé la raison? Oui. Enfin, non. Je n'ai pas changé d'avis. Ha! Tu vois que tu doutes. Hey! Tu ne doutes jamais, toi? C'est toujours mieux que les regrets. Let's go. Je ne sais pas si je suis de cet avis. Mais je t'en prie, continue. Et tu finiras par avoir les deux. Pas très positif, oui. C'est la porte. Le nain, là. Salut, Freya. Pourquoi? J'ai pas le droit de venir voir une vieille amie. Y'a rien de mal à ça. Ah mais ça va être catastrophique en vrai. Je veux dire, c'est pas parce que je suis responsable de la mort de ton fils que... Ouais non, parle pas de la mort de son fils. Comment? Elle est là-bas? Pourquoi je porte la pointe de flèche qui a tué ton fils en pendentif? C'est une bonne question. Elle va me tuer. Mais il faut enlever la pointe de flèche en fait. Il va se passer une dinguerie. Faut y aller. Buvez de l'eau. Oh coucou Akina, j'espère que tu vas bien. Bois de l'eau. Il a caché la pointe de flèche. On ne parle pas de son fils. Ouah. Tu aurais dû rester avec Sindri. Elle savait qu'on arrivait. Attends! Arrête! Ton père. Où est-il? Je sais pas. Il est pas là! C'est lui. J'envoie, j'avoue, t'as écouté moi. Let's go! Non! Il ne sait pas! Attends, ça y est, t'as refusé de quoi? Freya, bonjour! Fils. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne ferai pas de même? Parce qu'on est copains! On est copains! Tu vaux mieux que ça! Elle a un flow par contre. Ah. Merde. Merde. Elle a trouvé la pointe de flèche. Tu es prêt à parier ta vie? Que crois-tu savoir de moi? Coup, je sais que tu m'as pas encore tué. J'ai sauvé tous les petits jeunes. Let's go. En attendant que tu te décides, tu ne veux pas me libérer pour que je t'explique pourquoi je suis là.
Si tu viens plaider la cause de ton père, alors tu perds ton temps, car son sort est déjà scellé. Elle veut buter Kratos, alors on le rappelle, parce que Kratos a tué son fils. Je ne peux pas atteindre Odin. Mais en même temps, il voulait la tuer. Et je n'en ai pas besoin. Le Ragnarok s'en occupera. Le fils voulait tuer Freya. Ah oui ? Et si je te disais qu'il est venu à Midgard ? Il est venu à nous. Il a promis la paix si on le laissait tranquille. Il dit que le Ragnarok a déjà été évité. Mensonge. Mensonge. Voilà. Peut-être bien. Mais si tu connais la prophétie de Groa, tu sais qu'il dépend d'une armée de géants. Les géants attendent la guerre à Jotunheim. Non. Bah non. Il n'y a personne à Jotunheim. Il n'y a aucune armée de géants. Il n'y a aucun géant. Je suis le seul. Oh, elle balance l'info. Il, pardon. On rappelle, on est un géant. On dirait pas, mais on l'est. Et on s'appelle Loki. Jotunheim. On a appris la vérité. Ma mère était la dernière gardienne de notre peuple à Midgard. Et ce n'est pas tout. Les géants ont des prophéties qui me concernent. Ils m'appellent... Loki. Loki. Il me semble que... je peux aider à arrêter Odin. Enfin, je crois. Mais si tous les géants sont morts et que tu ne veux pas le combattre, alors il a déjà gagné. Il a déjà gagné. Pourquoi on ne travaille pas ensemble ? Maintenant que tu peux te battre ? Je suis loin d'être prête pour... Pour collaborer avec ton père qui a tué mon fils, même si mon fils voulait me tuer. Mais on a trouvé Tyr. Ouais, il enchaîne les infos. Si tu allais lui parler. Tyr est en vie ? Oui. Bien sûr. On l'a fait s'échapper de Svartalfheim. C'est impossible. Les 9 royaumes sont verrouillés, pour tous. Non. Et non. On a rouvert le passage. On ne sait pas où aller ensuite. Si on s'unissait tous, alors on... Ça suffit. Assez ! Waouh, waouh. Ah, y'a quelqu'un qui arrive, je crois. Y'a un méchant. Y'a un méchant qui arrive. Va-t'en maintenant. Ah non, quoi que. Pars et ne reviens jamais. Pars avant que je ne change d'avis. What the et fuck? Que ton père ne s'attende pas à la même clémence. Ça serait bien de l'avoir de notre côté, hein, Freya. Elle a juste mis un gigamur de ronce. Ok. De ronces. Je sais pas si on peut appeler ça des ronces ou Oh, ça fait penser à la Belle au bois dormant. Voilà, c'est tout. Je monte à l'échelle. Sans les jambes. Parce que c'est mieux à la force des bras. On le fume. Oh. Allez, je casse mon arc encore à faire ça. Oh. Des morceaux de métal du temple de Tyr fusionnés avec la pierre de sang en résonance avec l'esprit du guerrier. Les percussions soniques. Je peux le mettre sur... Oh ? Ça fait quoi ? Les attaques au corps à corps contre un ennemi affecté par la magie sonique infligent plus de dégâts d'étourdissement. Les améliorations augmentent les dégâts d'étourdissement infligés. Ok. Thanks, dude. Est-ce que je peux retrouver Kratos avec sa grosse hache, s'il vous plaît ? J'ai marre de me battre avec Loki, là. Avec son petit arc. Non, en vrai, j'aime bien. Au moins, je suis pas mort. Mais j'ai obtenu aucune réponse. Tout ça n'aura été qu'une perte de temps. Au moins, je suis pas mort. Même si je pourrais jamais l'avouer à Sindri. Au moins, je suis pas mort et c'est déjà pas mal. Par contre, vraiment lui, il faut qu'il fasse que j'aime Ninja Warrior. Et ouais, bah voilà. Heureusement qu'il y a une escalade. C'est vraiment le prodige de l'escalade. On redescend voir Sindri qui est en bas. La statue de Tyr. Viens le pas. Oh, Parimir. Ok. Tu vas bien. Parimir. Alors raconte. Je commençais à croire. Sindri, je t'avais dit que je m'en sortirais. Je suis là, je suis là. Je ne crois pas qu'elle veuille nous aider. Ah bah non, je crois pas non plus. Écoute ce qui s'est passé.
Bonjour. Oh, il a un chapeau là. Où est ton collier? Ah oui. Oh, je l'ai perdu. Je réfléchissais et je... Je l'ai jeté. Elle l'a pris. Oui. C'est ça. Tout à fait. C'était ton jour de chance. Alors, dis-moi, le chaos t'a-t-il réussi? Le chaos. Oh non! Mais il venait de réparer son atelier, bro. T'abuses. Viens le fort. Tiens. Reviens. Tiens. Tu crois faire quoi, toi? Merde, à chaque fois je me fais avoir par son petit coup de merde. Tiens, recule. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tiens. Et bam. One shot. Attendez, on m'attaque par derrière là. C'est un gars qui attaque de loin. Oh. Oh putain, c'était chaud. Il y en a un autre. Sa race. Et voilà. Vous allez faire quoi maintenant? Pourquoi on m'attaque? Si, avant qu'autre chose ne cherche à nous tuer. Oui. Mais t'avais un atelier là? Je mets les pieds dans le plat. Mais allons-nous parler de tout ça à ton père? Non. Tu joues, franchement. Non. Jamais. Il te tuerait. Il me tuerait. Certes. Aussi. Bon. Certes. En parlant de franc jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Ton avis sur quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, Sinri? Une chose que je cache à mon frère depuis très longtemps. Qu'est-ce que tu caches? Parle! Je te raconterai sur le chemin du retour. Ah. Bien. Pourquoi tu veux pas me le dire maintenant? Oh, pardon. Je pensais pas que le coup allait le toucher. Bon, il veut pas parler maintenant, visiblement. On va sur le chemin du retour. Il va y avoir un fight, ça. Il n'arrête jamais. Et voilà. Mais encore? Ouais. Oh, je l'ai pas vu. Oh, j'ai pris cher. Voilà. Allez, j'ai plus dit. Sur la tour d'Alfheim. Qu'est-ce qu'on disait? Bien avant ta naissance, il y a eu un accident à la forge. Brock. Mais quoi là? Brock est... Quoi? Je ne pouvais me résoudre à l'accepter. Brock est mort? Alors, je me suis rendu au lac des âmes, à Alfheim, pour dérober l'acier. Des légions d'âmes ont essayé de m'en empêcher. Je sens encore leur contact sur ma peau. Seulement... What? Je n'ai pu récupérer que 3 parties de son âme sur 4. Oh! Sindri? Brock croit qu'il s'est évanoui. Je lui ai caché la vérité tout seul. Mais faut pas mentir comme ça. Mais ça me ronge quand même. Il faut que tu lui dises. Il a le droit de savoir. Le moment venu. Comme pour toi, avec ton père. C'est pas la même chose. Exactement, ne retourne pas la situation. What the fuck, Brock est mort, il a récupéré 3 fragments d'âme sur 4. Il va y avoir une quête, ça va aller chercher son dernier fragment d'âme. Pour ça peut-être qu'il est tout en vénère, Brock. Qu'il a pas son fragment d'âme ou il est pas vénère. Putain mais... T'es allé vite toi. Sacré secret qui vient de me balancer là. On court dans la neige. Oh la neige, qu'est-ce que c'est trop bien la neige. Vraiment, maintenant? Oh no. Please, dude. Allez, tombe. Oh, il m'a touché. Putain, mais comment il a fait pour me toucher si vite? Tiens, t'es par terre, tu vas faire quoi maintenant? Tiens. Y'a quelqu'un? Y'a plus personne. Sindri, t'as rien fait de mal. T'as sauvé la vie de Brock. Moi, j'ai posé des problèmes. Non. J'ai fait un choix. Un choix qui ne me revenait pas. Ah.
Est-ce que tu peux... Comment ça ? Réparer ça ? Je ne pouvais pas rester seul. Il va sortir. Les autres nains, quand ils l'ont vu, nous ont chassés. Ah ! Donc nous sommes partis faire notre vie ailleurs. C'est fait. Eh bien, ce qui est fait, mais ça n'a pas à définir qui tu es. Rentrons avant que Père se réveille. C'est la meilleure idée que tu... Rentrons avant que Père se réveille. Trait ? C'est un... Hein ? Tais-toi. C'est quoi, trait ? Il m'a dit tais-toi. C'est quoi, trait ? Merci pour la réparation. C'est qui, trait ? Tiens, il se passe des dingues, c'est découvert sur découverte. Tu as le droit de te donner un surnom ? Est-ce que c'en était un ? Ah, c'est son nom ? Et Locke. Non, c'était pire. Je l'ai réalisé en le disant. Oula, il en sait plus que ce qu'on ne pense sur moi, lui. Parfait. On y va ? Ouais, on y va, ouais. Ok, c'est compliqué, hein, y a beaucoup de choses qui se passent là. On y va. Je déteste rentrer les mains vides. Les écrans blancs. Après mon échec avec Tyr, je voulais au moins... Pas si vite, John Yotou. Tyr ne répond peut-être pas tout à fait à tes attentes, mais un échec... Mais c'est pas un échec, on l'a sauvé. Libéré de son terrible sort, c'est pas rien. C'est clair. Et puis, qui sait ? Peut-être qu'il finira par nous aider ? Peut-être. Mais Père ne l'acceptera pas éternellement. Mmh. Je suis sûr qu'il connaît déjà le prochain endroit où nous irons nous cacher. Dans ce cas, n'empirons pas notre cas en nous faisant attraper. Lorsque nous arriverons... On va revenir, il va y avoir Kratos. ...trace devant l'accès et me faufilerai par derrière. Toi, reste naturel, mais ne traînons pas. Ne traînons pas, mais 100% là, je vais passer la porte, il y a Kratos, il va faire... Oui, Chavo ! Attends, mais moi je vais par derrière ou par devant ? Je pars devant ? Ce n'est pas le risque qui m'inquiète. Pouvons-nous nous fier à leur jugement ? Je crois en leur sagesse. Et là, c'est ce qui se rapproche le plus de leur parole directe. Oula. Tu es certain que les géants déconseilleraient la guerre ? J'ai dit qu'ils étaient sages. Il me semble que cela va de pair avec le pacifisme. Oh, petit frère ! Je t'avais bien dit de pas t'en faire. Atreus. Où étais-tu parti ? Me soulager ? J'espère que vous avez faim ! Me soulager ! Je ne dis pas non. Ouais, ok. Tout le monde est aussi bien reposé que moi ? J'arrive tout de suite ! L'autre, il fait genre, il dormait. Il mange, Mimir ? Non, bah non, il a pas de corps. C'est... de la saucisse. Oh, une petite saucisse. Bien sûr, si tu le dis. Petit repas de famille. Dans mes souvenirs. Ah. Tu préfères peut-être taper la tambouille pour tout le monde ? Eh bien, d'accord. Ah bon ? Oh, il fait à manger. Nous préparions notre prochain voyage, Atreus. Oh. Alors ? Où allons-nous ? À Alfheim. Le royaume des elfes. On connaît Alfheim. Alfheim ? Tu détestes Alfheim, pourquoi on irait ? C'est temporaire. Nous allons y chercher des informations. La fresque de Groa, jeune homme. Ton père m'a dit que tu l'y avais trouvé. Tout à fait. La gardienne du savoir ? Ouais. Oh, je pourrais peut-être y déverrouiller un secret. Oui. Qui d'autre que la prophétesse qui a tout prophétisé ? Je n'étais pas sûr que... Buvez de l'eau. Qu'importe. Beaucoup excellent. De moi. Alfheim. Et n'allez pas oublier ce qui vous permettra d'y aller. Vous savez quoi ? Je vais construire une plus grande table. D'accord, Sindri. Plus pour moi. Non, il lui prend sa bouffe. Passer au royaume d'Alfheim. Tyr, tu vas vraiment venir avec nous ? Oui, dès que vous serez prêt. Okay. Enfin, dès que ton père sera prêt, devrais-je dire. Si par mes conseils, je peux t'aider à obtenir les réponses que tu cherches, c'est bien le moins que je puisse faire pour rembourser ma dette. De plus,
Revoir la lumière d'Alpha et me fera du bien. Cette lumière elfique, c'est de la bonne. Ah, j'ai un chocobon là. Chocobon blanc. Voilà. Alors, qui a eu l'idée de ce plan? Oh. Faut que je fasse quelque chose là? Ou juste on mange? Je lui ai demandé comment vous m'aviez retrouvé et il m'a parlé des problèmes secrètes cachées dans les fresques des yachts. Je pouvais bouger. C'est fascinant. Nous faisions le point sur les fresques dont nous connaissons l'existence. Ouais, go, on se taille. D'avoir trouvé celle de Groa près du temple de la Lune. Ah bon. Puisque nous pouvons désormais nous rendre à Alfheim, le plan le plus prudent s'est imposé de lui-même. L'homme le plus intelligent qui soit avance d'un pas assuré. Même sans tes pieds, si tu m'autorises un trait d'humour. Oh, pas mal. Tu sais. Moi aussi. Et il est bon de te voir libre à nouveau, mon vieil ami. Ok, ok, c'est cool, mais on y va, hein. C'est parti, là. Tiens, Sindri. Est-ce que t'aurais pas vu Atreus partir pendant la nuit, par hasard? J'ai rien à améliorer, je crois. Bois de pierre. Bois de pierre. Tout à l'heure, il disait bois de fer. Oh, je peux améliorer mon bouclier. Renouvellement. Vas-y, je le veux. Je sais pas ce que c'est, renouvellement, par contre. Ils mourront sans douleur. Enfin. Ok. Merde. Attends. À ton service. Ok. Je fais chauffer la forge. On peut y aller. Je suis prêt, les amis. On y va. Je te suis. Je vous retrouve devant l'accès mystique, mes amis. J'allais oublier Mimir. Il a dit je vous retrouve devant l'accès mystique. On y est devant l'accès mystique. Ok, on va à Alfheim. L'écureuil ? Permettez que je jette un rapide coup d'œil, je vous promets d'être bref. What the fuck ? C'est qui lui ? C'est le chapeauté en écureuil ! Voilà une sacrée musculature, capable de toute une variété d'actes de violence, je présume. Qu'est-ce qui se passe ? Il est grand ? Ah, c'est sûrement l'écureuil qui prend soin de l'arbre monde. Hein ? Cet appétissant arôme serait-ce... Pardonnez l'intrusion. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui! De la résine d'ambre, petit goût de noisette et notes d'encre de sèche. Non. Monsieur n'aime pas les expériences gastronomiques? Attends. Ah! Si tu es ratatosque, pourquoi tu es si... Attends, quoi? Il a pas bouffé la graine que je devais utiliser pour aller à Alfheim, là? Différent quand on t'appelle à l'aide. C'est une longue histoire. Ratatosque. Mais tu as raison, je suis bien ratatosque. Le ratatosque que tu connais n'est rien qu'une de mes projections spectrales, et pas la plus amicale, malheureusement. Je la trouve si éloignée de moi que je la considère presque comme quelqu'un d'autre. D'accord. Et à ce propos, Amer, veux-tu bien te montrer et saluer nos amis? Lâche-moi, j'ai affaire! Il y a un autre écureuil. Je suppose qu'il fallait s'y attendre. Mais passons. Maintenant que j'ai lustré toute cette jolie résine, veux-tu reprendre la graine? Ah. C'est donc une graine. En effet. Et une graine d'Yggdrasil. Il me l'a rendu. Il avait bien bouffé la graine qui nous permettait d'aller à Alfheim. Les pensionnaires nains ayant procédé à quelques menus réaménagements, ah, vous aurez besoin de ces graines pour ouvrir de nouvelles destinations dans mon arbre. Je peux aller à Nilfheim. Oui, mon arbre. Tiens, je vais te montrer. J'aime beaucoup. Oh, salut Crézémil, ça fait un bail, j'espère que tu vas bien. Mais du coup, ok, des royaumes de possibilités. Maître Brock avait besoin d'une graine d'Alfheim. Vous devez avoir des affaires importantes à régler.
Okay. Les chemins se ramifient comme les branches d'Yggdrasil. À Alfheim, c'est un long périple qui vous attend. À Nilfheim, les terrains d'entraînement recèlent des récompenses secrètes. Vous pourriez avoir des choses à régler à Svartalfheim. Réfléchissez bien. Vas-y, on va aller à Nilfheim, là. L'entraînement, moi j'aime cette bien l'entraînement. Cette graine que tu as trouvée ouvre le royaume de Niflheim. Un lieu aussi ancien que vaguement poisseux. Niflheim. Je vais à Niflheim. Si on ne va pas tout de suite à Alfheim, il serait plus sage que Tyr nous attend ici. Ne bouge pas, Tyr. Les soldats qu'on a affrontés à Svartalfheim, c'était des Enaria. Je croyais qu'ils n'étaient que des esprits attendant le Ragnarok au Valhalla. Ce n'était pas au Valhalla. En effet, mon frère, Odin semble avoir trouvé une astuce et éveiller ses forces armées avec un temps d'avance. Peut-être ne pouvait-il y parvenir qu'en l'absence de Valkyrie intègre à ses côtés. On a libéré toutes les Valkyries. Attendez, mais là, compétence, on s'en fout. Quoique, j'ai beaucoup d'XP vraiment, à ce point. Et du coup, j'ai... Quoi ? Modificateur de compétences débloqué ? Les marques de modification amplifient un aspect d'une compétence. Sélectionnez une compétence avec un emplacement de marque libre et appuyez sur croix pour afficher. Oh ! Débloquer les marques de modification d'une compétence avec de l'XP. Vous pouvez changer à volonté les marques débloquées d'une compétence. Point d'XP obtenu, achetez un modificateur de compétence. Ah. Augmente légèrement les dégâts. Augmente modérément les dégâts d'étourdissement de la compétence. Augmente nettement la résistance aux dégâts et aux coups déstabilisant pendant la durée de la compétence. Est-ce que ça pousse plus loin? Je ne sais pas. En effet, ça fait un bail, mais là, petit réveil avec des crêpes. Wouah, let's go. Et ton stream, ça tombe à pic. Et là, régale-toi bien avec les crêpes. Ça fait toujours plaisir, des petites crêpes. Plutôt team quoi? Team confiture, team fruits, team pâte à tartiner ou goût chocolat noisette? Team caramel au beurre salé? Je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on prend? Légèrement les dégâts ou modérément l'étourdissement? En vrai, l'étourdissement, c'est pas mal. OMG, les crêpes. Trop bon, les crêpes. Ok. J'ai combien d'XP là? J'ai beaucoup d'XP. J'ai pas mal d'XP. Du coup Atreus, ok, et Atreus il a ça qui a augmenté. Pâte à tartiner évidemment, mais sans huile de pomme. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez au Québec si t'es au Québec hein. Je sais que t'es au Canada, mais j'ai un doute sur le fait que tu sois au Québec là. Mais je crois que oui. Je sais pas pourquoi j'ai un doute sur ça maintenant. Mais au Canada vous avez genre la pâte à tartiner bonne maman là? Elle est trop bien. Elle est trop bonne. Aussi bonne que moi. Quoi? Allô? Je dis n'importe quoi. À utiliser en combat pour augmenter le niveau. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Je ne sais pas. C'est bien que je fasse ça, je pense. J'en ai pas vu, nope. Aïe, aïe, aïe. Les confitures bonne maman. Non, mais bonne maman, c'est... De toute façon, c'est... La base. Ok, en fait, faut que j'utilise ça en combat pour les améliorer. Mais putain, mais ça, c'est cool, en vrai. Mais ça, j'utilise tout le temps. Ça, là. Ah oui, 30, bah, du coup, 35 sur 50. En effet, vu que j'utilise tout le temps. Visez, maintenez R2 pour charger la hache. Ouais, ça, bof. Un peu plus d'attaque au corps à corps. Mais ça, je l'ai pas. Ah si, je l'ai, mais je peux pas le débloquer la suite de suite. Nocciolata. Ah, Nocciolata, bien connu, bien sûr. Pareil, pas vu. Ah, vous en avez pas? Ouais, à part dans des trucs spécialisés qui doivent vous coûter un bras, je suppose. Pas mal ça en vrai. Hein. Mais du coup, faut que je fasse ça quoi. Lorsque vous visez, appuyez sur R1 pour empaler un ennemi au sol et l'attirer à vous. Avant de projeter les faibles dans les airs. Et là, après avoir empalé un ennemi avec R1, maintenez R1 pour vous propulser vers les ennemis. Appuyez sur R2. Lame dans le sol et générer une explosion infligeant ta brûlure. Oh! En vrai, il faut que je joue avec les brûlures et tout. Faut que je fasse ça par contre. Faut que je joue avec l'état brûlure. Parce que, avec ma hache, je fais plus de dégâts aux ennemis qui sont enflammés et inversement de l'autre côté. Vous avez compris l'idée? Vas-y, je vais écho le reste parce que je pense que je peux.
Il y a pas des histoires où je peux améliorer ça aussi avec avec de l'XP. Ouais, voilà. Bah écoute le reste. Pourquoi au bout d'un moment on les a, mais pas la pâte à tartiner. Oh. Mais du coup vous, ouais, vous avez une marque de là-bas, je crois. Qu'est-ce qu'on fait? Yo! Ça me fout les jetons, tous ces pauvres. Ah, attendez, c'est pas ça que je voulais faire à la base. Hein. Je voulais faire objectif. Et on avait les yeux d'Odin. C'était ça, je crois. Trouver la deuxième moitié de graines de Muspelheim. Quoi? C'est ça le but? Nous avons découvert une moitié de graines de Non, c'est pas ça du coup. De Muspelheim. Qui nous permettra de rejoindre Niflheim. Nous explorerons la région dès que nous serons prêts. Vous savez, c'est ça? Vivre. Avec leur sam brisé. Ok, c'est bon. Les amis, je suis pas trop patate tartinée, moi je suis beaucoup plus fruit qu'au chocolat. Chocolat, c'est nul. Mais il en y a quelque vrai, chose. Patate tartinée. Un mémorial de guerre. Oh non. Tu peux t'en servir d'arène d'entraînement si tu le souhaites. Tu affronteras les souvenirs d'ennemis, ils ne pourront pas te blesser. Attendez, il y avait pas un truc dans ce genre-là dans le 1, c'était giga dur. Les marques ici. Craft, pâte à tartiner, noisette au chocolat. Ah, au cacao, pardon. Ça a l'air bon. Moi, quand c'est trop fort en chocolat, j'aime pas, mais quand il y a bien un goût de noisette là. C'est pour ça que le nocciolata c'est trop bon et la bonne maman elle est bonne aussi. Ouais. Il y avait un truc dans le 1 où on pouvait s'entraîner et machin et tout, et ça ressemblait beaucoup à ça. C'était giga dur. Parti. Waouh! Vous ne gagnerez ni XP ni argent. Mais ça sert à quoi du coup? Comme son nom l'indique, l'arène d'entraînement vous permet d'essayer et de perfectionner vos techniques de combat. Dans l'arène, vous disposez d'une santé inépuisable. Et je teste juste pour voir à quoi ça sert. Au volcan. Ouais, dans le truc de feu là. Regardez. Rogueur sur la gauche. J'ai l'impression que ça sert à rien. À ta droite. Merde. Je l'ai vu, mais je suis trop tard. Je peux pas shield là-dessus. Reprends-toi, mon frère. Je pensais que je perdais pas de vie. On m'a menti. Ça fait quoi quand je finis l'entraînement? Tu vois, mourez tous là. Mourez. Meurs. Oula, j'ai repris un coup là. Bam. Bam, bam, bam. J'ai vu. Chien. Et... Tiens. Je me suis touché par un touche. Blam. On passe de l'autre côté. Blé. Tiens. C'est juste un carnage du coup, c'est ça? Blah! Lui, il est pas si mauvais pour lui. Je suis en full tapping là. Merde, je l'ai vu à Ragan. Ouh, juste attends. Tu brûles, Kratos. Bam. Ça passera. Bam. Tu brûles, Kratos. Regarde sur la gauche. Bam. Bam. Oh, j'ai fait un peu tôt. Il meurt ou pas au moment là? Ah, je peux pas lui renvoyer. Je l'ai eu. Derrière toi. Oh, c'est parfait ça. C'est bien joué ça. Encore un drogueur sur la gauche. Ça sert à rien, je pense que je suis en train de faire là. Combien de coups ça là?
Et là, je fais ça là. Tout ce paquet. Regarde, sur la gauche. Un peu tôt. Un peu tôt. Bon, ça finit quand? Ah oui, c'est vrai que je peux faire ça. Comment c'est déjà? Attends, comment c'est? Je sais plus. Ah, c'est comme ça. Non. Ah, c'est comme ça. Je peux pas lui renvoyer, je crois. Ça, c'est trop bien, ça. Ça marche pas en double roulade. Non. Ah, si. Si, ok. Bon, on a compris. C'est bon. C'est bon. J'ai compris. Merci. Désolé pour cette petite phase où on a juste fait que taper. Mais c'est. Les corbeaux d'Odin? Ah oui. Ceux qu'on détruit depuis le début? Il semblerait. Ah. Il y en a beaucoup quand même, j'en ai pas détruit autant. Nous sommes libres. Nos vies sont notre. Et plus au père. Ni à nul autre. Ah. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je l'ignore. Mais prendre un coffre. Évidence, il se passe quelque chose ici. Ah, en fonction du nombre de corbeaux que je tue, je peux prendre un coffre. Ok, 6 sur 12. Bah merci bro. Protection à la taille. Une armure lourdement renforcée, réputée comme étant la plus dure encore que les glaces éternelles. C'est l'art de l'Honnête Tote, c'est totalement ça. J'ai envie de jouer à Hollow Knight. Mais du coup ça donne pas de force. Putain elle est trop bien. Mais ça donne pas de force, c'est de la merde. Mais elle est incroyable. Mais ils ont l'air de nous apprécier. Remarque, je peux la mettre. Espérons. En attendant. Mais j'ai rien à la taille, j'ai que ça et ça me donne 3 de force. Pour 29 de défense, augmente les soins des pierres de guérison. Vas-y, juste et en attendant. Nous devrions continuer à détruire tous les corbeaux d'Odin que nous trouverons. J'espère qu'ils vont pas tous se faire bouffer. Ouais, c'est Sixong pour Noël là. Ouais, ouais, ouais. Non mais Sixong... Ça avait été annoncé quand Ça avait été annoncé moins de 12 mois. Ouais, je vais... Attendez, mais on est d'accord que... Ouais, ça sert à rien de suivre cette quête du coup. Et c'était il y a 6 mois déjà, non? C'était au truc de jeu là, je sais plus comment ça s'appelle. Ne plus suivre. Armure parfaite. Ouais, ça je m'en fous. Aucun des miens. Ouais, par Xbox. Ouais, c'est ça. Hein. Je pense qu'il reste encore au moins un bon 6 mois, je crois. Hein. C'était il y a un moment, mais. Peut-être même plus. Quête disponible, les yeux d'Odin. Ouais, j'ai compris. Maison de Sindri. Le creuset. C'est quoi le creuset? Le creuset? Pardon. Trouver la deuxième moitié de graines de Muspelheim. Nous avons découvert une moitié de graines de Muspelheim. Quand nous avons visité le royaume il y a plusieurs divers, notre force machin. Oh. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais l'histoire? J'ai envie d'avancer un peu dans l'histoire en vrai là. De toute façon, je peux pas aller à Muspelheim, je suis con. Quoi qu'il arrive, faut que je retourne à la maison. Maison de Sindri. Quand tu auras Silksong, oh là là. Mimir, pourquoi tant de maraudeurs deviennent des Éléens ces derniers temps? Je croyais que libérer la reine des Valkyries devait rétablir l'équilibre entre les royaumes et empêcher ce genre de choses. C'est une bonne question. C'est vrai ça. Et des plus troublantes. Si elle déborde à nouveau, c'est que quelque chose. C'était le 12 juin. Putain, c'était le 12 juin. Qu'une chose plus grave encore. Juin, c'est le 6. Donc ça fait. Ça va bientôt faire 6 mois. Dans 9 jours, ça fait 6 mois. Désolé. Et on a plus que donc 6 mois à attendre. Désolé pour l'écran blanc. Ah, revoilà. Yo. Je savais que vous ne m'aviez pas oublié. Oh, salut. Mon bon Kratos. Il faut que je te parle.
Qui? Oh. Tiens, tu connais Ratatosk? Qu'est-ce que tu veux? Parle. Si tu as Parle. Besoin de mes services et que je suis absent, je vais installer ces carillons oh. fort pratiques pour que tu puisses m'appeler. D'accord. Merde, je voulais pas t'interrompre. Mais je crois que j'ai compris ce que tu voulais me dire. Merci beaucoup. J'en ai tellement interrompu. Fuck. Fuck des shit. Sorry dude. Allez, on va à Alfheim. En chemin, peut-être pourras-tu me parler de votre dernier voyage dans le royaume des elfes. Je reprends un chocomo là-dessus. Bien sûr. Au début, c'était les elfes noirs. Vous vous souvenez, il n'y avait plus la lumière. C'était une catastrophe. C'était horrible. Les elfes étaient giga forts. Il y avait un elfe boss à la fin qu'on a galéré à tuer. Mais ça, c'était dans le 1. Quelle horreur. Puis on a dû combattre toute une armée d'elfes noirs pour atteindre l'avenir. Vous êtes mêlés de la guerre des elfes? Pas par choix. Et ouais. Nous devions remplir notre Bifrost et ils nous ont attaqués. Et ouais. Les elfes noirs l'a couvré avec leur substance gluante de ruche. On l'a libéré, les elfes blancs sont revenus. Tout semblait aller mieux à la fin. Vraiment. Il est où Atreus? Tyr, qu'est-ce que t'as fait à Atreus? Mais il le regarde vraiment, il lève la tête et tout. Ça c'est bien fait en vrai. Là il lève pas la tête, vous voyez. Alors que là il est en mode... Il est en mode dude. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas ce qu'il a fait d'Atreus, c'est pas une grande perte. On y va. Alfheim. Il y a de la neige ici aussi. Je ne sais pas vraiment où se trouve le temple, mais on y trouvera la fresque de Groa. Tiens, lis ça à Mimir. Atteindre la fresque de Groa au sommet du temple. Histoire brisée. Et cela ne se répare pas facilement. Il y a où? Mais il n'y a qu'un seul endroit en fait. Allez, c'est parti, on y va. Je vois que les elfes sont toujours en guerre. What? Oh, le jump qu'il a fait, lui. Excuse-nous, bro. Comment il trace? Fimbulwetter n'épargne pas Alfheim. On voit rien? Les tempêtes couraient les déserts d'Alfheim bien avant Fimbulwetter. Ok. Dude. Dis ça, Mimir. Le désert vivant. Mm-hmm. Petit coffre gratuit. On prend. Je devais pas aller là. Ah, je devais pas aller là. Merde. Ah oui, il faut que j'aille là. Attends, mais il passe là, le grand, là? Il passe zéro? Déjà, moi, je passe tout juste. Oula. Attendez, il y a un truc Attendez. Dehors. J'entends quelque chose. Une chose énorme. Il souffre. Une chose qui souffre? Qu'est-ce que tu racontes, Atreus? Et alors, on peut descendre, là, je crois. Ou sinon, on va là-bas. Qu'est-ce que tu entends? On dirait un animal. Mais qui peut vivre dans une tempête pareille? CRN. Il y a de nombreuses grottes sous le désert. Ce n'est pas exactement le grand luxe, mais... Les elfes noirs sont les preuves. Je le sais. Le N. Attendez. Tiens! Moi au-dessus. Ah mais non, je viens de là. Vous aurez pas mis le R là-haut. Peut-être peut-on atteindre ce brasier de plus haut. Laisse-moi réfléchir, Mimir, s'il te plaît. Y'a quoi là? Pourquoi c'est bleu? Quoi?
Où est la dernière? Ah, peut-être au-dessus en vrai. Attends, quoi? Là, le temple de la lumière. La fresque de Groa est en haut. C'est allé là. Ils l'ont foutu là. Ah, bien joué eux. Bien vu. Merci, Bifrost. Est-ce que tout va bien? En fait, oui, mon ami, vu, il avait spoil, nous pillons les coffres des normes. Ce ne sera pas long. Mon père aime piller. Vous allez collecter assez de cornes d'hydromel sanglant, rage maximum augmenté. Ah, je comprends. Ok, dude. Allez, on peut y aller. Excusez-moi pour ça. Ah, oh bah d'accord, moi j'utilise ma chaîne. Freyer n'est jamais revenu à Alfheim, n'est-ce pas, Mimir? Non, tu as raison. Le sort de son propre royaume devait passer avant tout le reste. Pardon, le frère de Freya? Oui. Mais fait d'une toute autre étoffe. C'est son oncle? Mais non, c'est l'oncle du gars qu'on a tué. Oh? Il y a une barricade plus loin. C'est quoi ces pierres brillantes? Ah, tire? De la pierre de nuit. Un matériau rare que la formation peut prendre à minuit. Oh, j'ignorais qu'elle pouvait faire ça. Les pierres de nuit font ricocher la lance. Non, ricocher change de couleur lorsqu'une cible est alignée. Très malin. Oh la dingue. Oui, y a un truc là. Comme par hasard, on peut lancer la... Il y a un truc là-bas ? Bon. On casse la tête. C'est les petits. Il se bat notre ou il a peur encore? Ce petit salopion va exploser! Il s'enfuit! Attendez, le but c'est de descendre ou de monter là? Que je descends tout seul. Oh. Ah, ça, je peux faire ça. Mimir, est-ce que tu comprends ces poèmes? Quand on s'en donne, ils se battent encore. On trouve toujours un sens. C'est à l'interprétation de chasser. Il y a quoi là-dedans déjà? C'est doré. Ah, il y a un matériel, il y a un stuff. Franchement, de lancer de hache qui ricoche sur les cibles verrouillées en martelant R1. Quoi? Ah, ok. Ah, mais je peux pas attaquer. Bah, je préfère ça, je pense. Plus d'attaque de zone en mode. Mais intéressant. Ah, attendez. Ça fait quoi en dégâts? Emplacement disponible. Non, c'est ça que je dois faire. Ah, remarque, c'est un truc de dégâts giga fort, mais. Améliorer, mais non, je ne veux pas de ça. Allez, bah on monte. Le frère de Freya, quelle est son histoire? Il y a longtemps, Freyr des Vannes se rendit à Alfheim, où il découvrit une terre autrefois splendide, dévastée par la guerre. Comment l'autre, usant de ses pouvoirs divins, il entreprit d'instaurer une paix fragile entre les elfes.
As-tu mentionné que cette paix fut rompue dès qu'il fut parti? J'allais y arriver. Vous entendez? Oh non. Oh, c'est bon. Arrêtez! De grâce! Vous n'avez pas à faire ça! On ne vous veut aucun mal! Nous n'avons pas le choix! Ah, c'est vrai qu'il laisse des trucs. Derrière toi! Attention! Nous avons libéré la lumière! Nous avons libéré la lumière et du coup ça fait. Et alors? Tiens. Pourquoi nous attaquez-vous? Nous vous avons aidé. Atreus, concentre-toi. Je... Bam! Oh, j'ai pas touché. Je voulais pas faire ça à la base. Mais ça tombe bien. Oh, le jump. Bah, non, pas touché. Ah, là, elle m'a touché. Ah bah. Il faut que j'apprenne ça, c'est trop bien. Est-ce que je l'ai appris? Non. Non, c'est pas ça. Ah si, je l'ai appris, je pense. Ah, je sais plus c'est où. Là où je fais triangle, triangle, triangle et je fais BAM! Merde. Ah, c'est là. Bon, je l'ai déjà appris en fait. C'est ce que je me disais. C'est ça là. C'est eux qui nous ont attaqués. D'autres suivront à l'intérieur. N'y a-t-il pas de... Ce n'est pas comme s'ils nous laissaient le choix. C'est ce qu'a dit ton père. Vous devez me trouver bien naïf. Non, seulement optimiste, mon vieil ami. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix, tiens. Bim. Allez, on dégage le pilier. Je sais pas avec quoi je dois me battre contre eux. J'hésite. Oh! Une offrande à Freyr de la part des elfes. C'est quoi ça? Il a dû la laisser là à son retour précipité à Valheim. Qu'est-ce que c'est? Un charme pour éloigner les cauchemars. Ceux de Freyr dans le cas présent. Mais sans les elfes, nous en trouverons sûrement d'autres. Je peux rien faire sur ça. C'est Locke, de toute façon. Nous ferions mieux de continuer, mon frère. Je crois pas qu'on ait les outils adaptés. Oh, y a du backtracking et je peux vous dire que je reviendrai jamais ici, donc tant pis. Petit fight? Si grand? Non. On était arrivé d'en haut l'autre fois. J'ignorais qu'il y avait tout ça en bas. C'est une ancienne porte, construite pour soutenir l'entente entre les elfes. Tu m'aides? Les elfes sont... Je commence. Atreus, dis-moi quand je suis à la moitié. Donc, que se passe-t-il en fait? Ce sceau représente l'équilibre du royaume lorsque Freyr était là. Ok. Ombre et lumière complémentent l'harmonie. Qu'en dis-tu, Atreus? C'est bon, je crois. Père. Malheureusement pour Alfheim, Freyr n'a pas supporté que sa sœur décide. Freyr, c'est donc le frère de Freya. Il est retourné à Vanaheim, livrant ce royaume à son sort. À sa décharge, les As lui ont mis le feu cette fois-là. C'est stylé. La porte aurait dû s'ouvrir. De l'ombre, de lumière. Est-elle bien équilibrée? Oui, mais pas le royaume. Plus maintenant. Père, essaie dans l'autre sens. Oui, oui, et tire. Continue à pousser. Ah, donc finalement, il n'y a que des êtres de lumière, c'est ça? Il n'y a que les elfes de lumière qui sont là, qui sont en mode Big Boss. Vous venez? Bien sûr. Laisse-moi regarder s'il n'y a pas un petit item quelque part caché. Ah. Ok, bah on y va alors. Waouh. Région découverte. Une statue d'un elfe noir dans le temple, temple de la lumière. Temple de la lumière. Il ressemblait à cela avant la division. La division? Oui.
Les elfes n'ont pas toujours été noirs et blancs, tu sais. Cette statue les représente avant la guerre, avant qu'ils découvrent le pouvoir de la lumière. Moi, je suis pas un giga fan des énigmes dans God of War. Juste envie de taper. Mais c'est pas grave. On va en avoir dans ce temple un peu des énigmes, je pense. Quel est ce bruit ? Inutile de gâcher la surprise. C'est beau, hein ? C'est la lumière ! Je n'avais jamais vu le lac des âmes si agité. Ah, Fimbulwetter, tu penses ? Bien sûr. Il rend la lumière instable. Alors la source de ce puits de lumière, c'est le lac des âmes. Oui. Après la création des neuf royaumes, les âmes des défunts ont commencé à se rassembler derrière, hein. Dans ces eaux. Il est gratuit. Son potentiel, les elfes ont bâti ce temple pour canaliser son énergie. Un succès pour le moins fracassant. Beaucoup ont développé une dépendance à ce nouveau pouvoir. C'est ainsi que les elfes blancs virent le jour. Je bouge, c'est ça ? J'ai bien compris qu'il y avait un ricochet à faire pour libérer la porte là-bas, mais... Ah voilà. Bien joué. Il suffit d'avoir le bon angle. Je me doute que nos amis elfes blancs ne seront pas de cet avis. Ouvrons la porte. En parlant d'elfes blancs... Ah. Laissez-moi encore essayer de leur parler. Laisse plutôt ces deux-là s'en charger, mon frère. On garde la lampe lumineuse. Ouais, je sais pas s'il faut parler. Laissez mon fils tranquille. Derrière toi, en garde. Wow, heureusement qu'il m'a dit parce qu'on avait pas vu ça. C'est quoi ça déjà? Appuyez deux fois sur L1. Ah oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ouah, j'ai pris cher. Je me suis fait stun en fait. Oh. Non, non, me mets pas la pierre. Il avait la pierre, mais... Ok, ok, my bad. C'est vrai que je peux briser leur défense, j'avais zappé ça. Et là, je vais faire ça. En parlant d'elfes blancs, laissez-moi encore essayer de leur parler. Peut-être laisse plutôt ces deux-là s'en charger, mon frère. On garde à leur bombe lumineuse. Putain. Oh. Cible éliminée. Ne t'améliore pas, toi. Voilà. Ça prend cher. À ta droite. Allez, ça tombe. Voilà. Merde. Paf. Un peu violent, hein. God of War, quoi. Bizarre. Ils sont arrivés par les ponts de lumière, mais ces ponts ont disparu. J'ai une idée pour nous faire passer. Ah bah super. Bah vas-y, je t'en prie. Quelle est ton idée? What the fuck, dude? Heureusement pour nous, son refus de la violence ne l'empêche pas de s'en prendre à l'architecture. Par ici. Attendez. Après, ça vous attend. Oui, mais attendez, y'a pas un truc là-bas? Rien. On y va. Prince of Persia. C'est typical le Prince of Persia. Oh, il a juste sauté. Atos, où est-ce que tu vas? Je respecte les environs. Fais ça de temps en temps. Let's go. Curieux.
Par contre, tu peux me laisser parler, Atreus, ou pas, là? Le temple n'est pas comme dans mes souvenirs. La dernière fois, il était en ruine et couvert de cette drôle de substance. Ces elfes utilisent la lumière d'Alfheim pour renforcer le temple. Et eux-mêmes, à l'évidence. Ils semblent clairement plus dangereux que l'autre fois. Et ce n'était que des fantassins. Plus nous progresserons... Attendez. C'est un message important. Bougez pas. Ok, c'est bon. Excusez-moi. On y retourne. Plus ils seront dangereux. Oh, y'a un... Y'a un truc là. Donc il faut que je monte. Peut-être rater un coffre là. C'est pas grave. Mon but c'est clairement pas de prendre tous les coffres. La fresque est de ce côté, Kratos. Ouais, oui, il sait. Mais il est très rigoureux. Je vois. Mais je me fais vraiment troller par mon fils, hein. En mode oui, il sait, mais il se balade. Ouais, y'a encore un autre. Qu'est-ce qu'elle pue? Encore? Laissez-moi ramasser l'item qui est ici. Quelque chose d'intéressant par là? C'est trop beau ça. Il y a un putain d'oiseau là. Mais je ne sais pas ouvrir cette porte. Ah. Allez, je peux l'avoir, je pense. Oh. Il y avait un moment, c'était C'était bon. Oh. Non. Putain, il est à côté, hein. Mais meurs! Il est protégé, non? Pourquoi il y a un truc bleu quand je fais ça là? Comme si ça libérait quelque chose. Genre là. Là. Mais la hache, elle passe à... Oh! Elle est là, elle est sur lui! Regardez! Ça traverse sa tête! Elle est où ma hache? Elle est là, elle est dans le... Ça le traverse, je vous jure, ça le traverse. Ah, ça me saoule. Ah,
Bon, tant pis. M'a gavé. Je sais pas pourquoi. Je me peux pas y aller. On a le coffre que j'ai vu que je pensais que j'avais raté du coup. Parfait ça. Oh ! Attaque unique rapide. Content qu'on ait exploré. Ah non mais c'est nul. On va faire l'autre. Boum. En fait là ça fait des gigas dégâts de zone direct. Donc c'est un peu mieux je pense. Il faut des lentes ou des lourdes. Là j'ai deux trucs rapides, j'ai pas de lourdes. Dommage. Bon. On abandonne vraiment ou pas ça? C'est bizarre ça hein. C'est bizarre le fait qu'il y ait un petit trait bleu là. Non mais là la hache elle est où? Elle est là. On peut pas la toucher avec des chaînes, hein? Putain, il est juste là! C'est quasi sûr que c'est ça qu'il faut faire, hein, mais je sais pas pourquoi ça va pas. Bon, c'est pas grave. Allez, ciao! Ciao! Peut-on continuer? On y va, les elfes pardon. Utilisent la lumière pour faire des portes et être plus forts. Que veulent en faire les elfes noirs? La renvoyer à sa source. Pour eux, les ressources naturelles d'Alfheim sont sacrées. Est-ce que je peux? Et la lumière plus que tout autre. Oui, le succès des elfes blancs a eu un coup terrible. Après la création de ce temple, le désert jadis luxuriant d'Alfheim est devenu une terre aride parcourue de tempêtes. Je vois de la pierre de nuit là-haut. Ah merde. Moi j'étais en mode ils vont réussir à ouvrir tout seul sans moi. Quoi? C'est toi non? Je suis monté. Je viens de là. Ok. La pierre de nuit ne t'offre pas l'angle que tu cherches? Tu en es sûr? Non mais. C'est bon là! J'ai compris! Où là? Ah non, je viens de là. Non, faut bien que je monte. 100%. Voilà, avec une sacrée collection de poèmes, mon frère. Une sacrée Pourquoi collection de poèmes. Surpris? Mon peuple est réputé pour sa culture. Je ne suis pas surpris. D'autres elfes blancs. Je m'en occupe. Ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Attends, mais il va se battre? Hé hey, oh! Mes amis, salutations, venons en paix! Tire! Enter, hein? Putain, mais c'est que je suis là, des elfes, non? Ah, ils veulent que je les casse! Hop, l'orbe lumineux! Je vais le pousser, lui! Derrière toi! Attention! Putain mais jeu il vient de là. Il tombe pas. Non je touche. C'est ça. Qu'est-ce qu'il veut lui?
Il volait avant, du coup il mourrait pas de ça, mais maintenant il meurt de ça. Très pratique. Maintenant, je comprends pourquoi ils se battent. Les elfes noirs veulent préserver les âmes dans la lumière, mais les elfes blancs veulent les utiliser. Parfaitement résumé, oui. Mais alors, d'accord. Qui a raison? C'est rarement aussi simple. Mmh. Et ce n'est pas à nous de trancher. N'est pas à nous de décider qui a raison et qui a tort. Je l'avais dit quand nous étions venus à Alfheim. Je sais. Il veut tout résoudre, Atreus. Bon, ça va chaud, moi. Ils ont construit beaucoup de ces portes de lumière. Mmh. Ouais. Des fortifications. Oui. Ils n'ont pas envie de voir les elfes noirs reprendre les commandes. Puis sur L2, ah oui, c'est bon. Je ne crois pas que la fresque soit par là. Nous le savons. Il y a un coffre, ici. Ah oui, je le vois. Pardonnez mon impatience. Je tire en même temps. Oh, pas simple. Mais c'est dans la bonne direction, ça. Là. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Ah, il faut que je casse. Ah oui, je suis trop. Tu devrais pouvoir faire passer ta hache derrière cette grille, non? Oui. Faut que je casse. Je rentre encore, moi. Puis-je te faire une suggestion? Ce mur de marbre blanc derrière cette grille, pourrais-tu l'atteindre avec ta hache? Bah oui. Ah, ok, j'ai compris. Waouh! Putain, c'est vrai qu'il y a des énigmes comme ça où il faut. C'est le retour de la hache qui marche. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Poignée de Gram. Tant qu'on a exploré. Autrefois, la profondeur du dragon a perdu de sa superbe. De nombreux ennemis. Ah, c'est une relique. Ok, ça c'est. Améliore pour renforcer l'effet de sa durée, bonus dégâts au corps à corps. Confère un accès de rage et étourdit les ennemis à proximité. Bah, je préfère les dégâts au corps à corps perso. Même si c'est pas ouf les deux, mais. Oh non. Merde, faudrait un truc pour me heal en vrai. Merde, y'a les petits là. Vraiment le oh non en mode oh no. Nous pouvons reprendre. Des mini monstres. Que vais-je faire? Sur ta gauche. Aïe. C'était peut-être pas ça qu'il fallait faire. C'est pour ça que je peux faire ça. Allez, ciao. Ciao, bello. Alors, quel est ton poème favori de Kvasir, mon frère? Pourquoi ne devrais-je en choisir qu'un? Ah. Je vais vous laisser faire. Quoi, je peux pas le réparer ça? Il a costaud lui. Voilà, on peut rien faire mon pote. Qu'est-ce qu'il veut lui? Merde, il a lancé son truc.
Oh fuck. Tu vas faire quoi maintenant? Tiens. Quoi? Je peux pas le parer ça? Putain, je l'ai fait tard en plus. Je pensais que je pouvais le parer. Je pensais que je pouvais le parer là. Mais en fait, je peux pas le parer. Merde. Des trucs où faut que je fasse L1 L1. Faut que j'ai le réflexe quand je vois du bleu de faire L1 L1. Attendez. En vrai, regardez. Ah, je suis un débile. Ah non, je peux pas. Je peux pas le pousser. Un autre elfe blanc sur la gauche. Ah ok. Tout à l'heure, il m'a pas attaqué. Pas en même temps, en tout cas. Oh, il a esquivé. Ben. Attention à droite. Ah, je suis. Attention. Bam. On va faire quoi maintenant? Je lance. Retrouvons-nous de l'autre côté. What? Oh, t'as vu comment il saute? Dude. Bah ouais, bah écoute, on va se démerder hein. Ok, j'ai compris. Mais attendez. Il a fait un jump. Hé, toujours le coffre caché. The hidden chest. Y'a que ça, y'a que ça. Let's go. Je vais là ou je vais là? Là y'a un coffre là. Ah non, y'a pas le coffre. Demi-tour, fils. Y'a un coffre là. Ce n'est pas par. Oh. Il commence à comprendre. Ce n'est pas par. Ah, encore un coffre. J'avais jamais vu les elfes blancs contrôler le temple à ce point. Nous n'y sommes pas pour rien. Ils ont dû désigner un nouveau gardien du temple, le remplaçant de Svartaliofus. La voix des elfes noirs. Oh, let's go. Doit être dans la lumière maintenant. Je sais pas que ça marcherait aussi facilement. J'ai géré. Let's go. Je me suis dit, il y a un truc à taper, mais est-ce que c'est dans ce sens-là? Est-ce que c'est de là? Hop, le babiole, symbole de renaissance. Ah, quoi ça? Ça rien? Ah, quoique. Ah. Les attaques au corps à corps contre un ennemi affecté par la magie sonique infligent plus de dégâts d'étourdissement. Les améliorations augmentent. Tiens, d'étourdissement. De toute façon, je peux lui mettre là. Ouais. La première flèche runique d'un carquois plein inflige plus de dégâts. Ok, pas mal. On prend. On prend. Sauf Persia. J'aurais pu ouvrir ça de l'autre côté, non? Peut-être en... Ce mystique ne nous a pas vu. Il y a de la pierre de nuit au sol. Est-ce qu'on pourrait utiliser la pierre de nuit contre eux? Farce. Est-ce que ça lui a mis? Nous pouvons continuer par là. Tu veux. Père, par ici. Il a fait quoi lui? Il a juste sauté. Ah, stylé, stylé.
Ils arrivent. Oh. Faites ce que vous avez à faire. Yalfa! Allez, ciao. Trop fort ça. Attention! Il est pas mort. Je comprends toujours pas comment il crée ses ponts. Regarde son statut, ses cristaux. Je les ai vus sur les elfes aussi. Ok, bam, je pousse. Voilà, c'est gratos, c'est gratos, c'est gratos. Voilà, on a un pont maintenant. Les cristaux créent toujours des ponts de lumière, et les elfes blancs les portent. Malin. On y est presque. Je m'en charge. Je suis full rage, faudrait que j'utilise ma rage. Mais il va y avoir un boss fight. Je me demande s'il ne prend pas un grand vandalisme. Bientôt vous le verrez s'en prendre à la poterie. Peut-on continuer ? J'ai peur. On peut, on peut. Ah ! Au moins on se rapproche. Là-haut, vous voyez. Attends. C'est plus grand de l'intérieur. Incroyable qu'il y ait tout ça en dessous. Le 1, le C. Et le dernier, c'est. Il est où le N ? Le V, il est là. Si. Ah. Ok, il faut se dépêcher. Pourquoi oh non. Tu le sais mieux que nous, mon frère. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu les Nords. Et je n'en ai pas envie. Mais putain, je suis une merde. Je crois qu'il faut juste être un peu plus rapide. Bah merci Atreus. Regarde, là-bas. Je crois qu'il faut juste être un peu plus rapide, il m'a vraiment dit ça. Aïe aïe aïe, c'est une pomme. Une pomme. Il m'en faut deux. Il m'en faut trois maintenant, ok. Ok bon, elle était easy, c'était sur le chemin. Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Il y a du monde en vrai là. Ah, il a fait deux fois. Clairement plus fort lui que les autres. Tiens. Derrière toi, mon frère. Ah, ça m'a enlevé tellement de vie. Ah, j'aurais dû me battre à la hache. Frère, debout, mon frère. J'aurais dû me battre à la hache. I'm dead. C'est dur, hein. Je fais pas gaffe. En fait, c'était bien de commencer avec ça, mais après j'aurais dû switch hache. Enfin, bon, je me comprends. Et ça recommence. Grosse bombe de lumière à la porte. Bon, on continue dans le même temps là. Oh. En vrai. Bon, on mange. Des dégâts. Ouais. Des locks. Laisse-le tranquille. Ah merde, faut que je l'éclate au sol. Ok, non, c'est bon. D'accord, c'est fini.
Bah alors, vous allez faire quoi maintenant? Ok, ça va. En vrai, ça se passe bien. On rappelle, on est en difficulté max, hein. On est en difficulté max, max, max. Plus lumineux que dans mon souvenir. Ça se passe pas trop mal, hein. Toi! Nouvelle hôte pour l'arbre de Niflheim. Ciao, toi. Ok. Ça sent le boss bientôt. Une autre porte. Oh non. Il y a de la pierre de nuit sur le côté de la statue. Il nous faut un autre angle. Est-ce que les combats entre les elfes cesseront un jour? Si Freyr n'avait pas abandonné le royaume, la paix serait établie. Et maintenant, peut-on vraiment le reprocher à Freyr? Cette guerre a démarré bien avant qu'il n'arrive. Mais il aurait pu guérir cette terre et enrayer cette guerre. Il a fait un choix. Le mauvais. Pour Alfheim, peut-être. Mais pas nécessairement pour lui. Bien, je suppose que nous sommes tous en droit de suivre notre propre voie. La dingue. Le bouclier a bougé. Non blague. Ça a l'air bon. Eh bah si ça a l'air bon alors. Généralement j'ai suivi mais sans réfléchir les trucs, hein. Non. Il est encore un peu haut, non? Tyr, lors de notre dernière visite, nous avons tué le roi des elfes noirs. C'est... Attendez, il est encore un peu haut, je crois. On me demandait ce qu'était devenu Svartal Yofur. Nous devions nous défendre. Et en mourant, peut-être que nous avions aidé le vagrant. Je vois. La porte est ouverte. Nous pouvons y aller. Il fait froid ici, ça y est. J'entends toujours une créature blessée à Drus. Oui, je crois. Mais c'est peut-être la tempête. Peut-être pourrons-nous aller voir. Ah. Une fois que nous aurons découvert cette mystérieuse prophétie. C'est stylé, ça. C'est fou, c'est très lumineux, tu rentres et ébloui, ah. Après ça va mieux. La salle centrale nous conduira au sommet. Quand nous aurons franchi cette énième porte de lumière. Encore. Bah c'est là, c'est sûr, non? Attendez, quoi? Je peux passer là? Je casse quel truc? Il est au-dessus, ok. Il y a une pierre de son là-haut. C'est du plus bel effet avec cette pierre de nuit. Les elfes blancs sont doués pour la décoration. Elle est du mauvais côté. Elle est du mauvais côté. Peut-être quand... Permettez-moi de vous aider. Ah, d'accord. L'angle m'a l'air bon, Kratos. Putain, bon, qu'est-ce que je dois faire? Bah, en fait, j'ai rien à faire, c'est lui qui va sauter sur le truc, quoi. Ah, la lumière d'Alpha. Non, il y a un coffre. Rien. Qu'y a-t-il? Fuck. La dernière fois, j'entendais ma mère dedans. Bah. Mais plus maintenant. Son âme et la lumière sont unies. Liées par des forces plus anciennes, Coda. D'accord. Elle est en paix, Atreus. Je l'espère. Bugué, lui. Quand père est entré dans la lumière, il a dit tu que... Tu es entré dans la lumière d'Alfheim? Oui, c'est vrai qu'ils aient basé oui. Ça. Pourtant, tu es là. Saint d'esprit et absolument... C'est vrai qu'ils aient basé ça, à l'époque. Je veux l'entendre, Kratos. Qui as-tu vu? Je ne partagerai ce souvenir avec personne. Mais ce fut très fugace. Je suis jamais plus, par contre. Ça m'a pas paru si fugace. J'étais piégé. Atreus a bravé le danger pour me sauver. Je ne peux que l'imaginer. Bien. Le triptyque de Groa nous attend. Donc tu as déjà rencontré Groa? Plusieurs fois. Mais elle souffrait de visions constantes. Let's go. Les discussions étaient... difficiles. Si je puis dire. Oula. Qu'est-ce qu'il fait?
Oui, il a attiré par la lumière. Je crois que j'avais vu la femme pour ça. Kratos, non. Là. Horrible. Imaginez perdre la personne avec qui vous étiez et que tout se passait bien et que c'était le grand amour. Bien. Continuons. C'est sûrement l'un des trucs les plus durs à vivre. Bien, continuons alors. Nous y sommes presque. Ils ont redécoré l'endroit. Qu'est-ce qu'il faut la dernière faire fois, il y avait de la substance elfique partout. Et tellement d'elfes noirs. Tout ce temps, j'ai cru que le roi des elfes noirs... J'ai cru que les elfes noirs étaient... méchants. Tyr ? Oui ? Ils t'ont aidé le mauvais camp. Tu sais rien, hein. C'est la bonne question. Quelle est la bonne question ? Y a-t-il un bon camp ? Exactement. À ton avis, Atreus, y a-t-il un bon camp dans cette guerre ? Non. Je ne sais pas. Alors garde-toi d'en choisir un. C'est beau, hein ? Ah, vous êtes tous là. Bienvenue. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Ok. J'ai raté du stuff ? Merci de l'avoir ramassé. Pas grand chose. J'ai pas grand chose à améliorer, quelque je crois. Quelque chose en particulier ? Oh. Attendez, quoi ça ? Mais non, c'est pas ce que j'ai équipé, ça. Non, je veux de la force, moi. C'est ce que j'ai ramassé, c'est tout. Ou c'est fabricable, alors que ça l'était pas avant. Rien de fou. D'autres choses à nous dire ? Non merci. On peut discuter ou pas ? Tu crois au destin, Sindri ? Oh, bien sûr que non. Crois-tu que destin ? Je laverais autant les mains si je pensais que mes actions n'ont aucune conséquence ? Il n'y a qu'une chose qui puisse déterminer notre façon de vivre, et c'est nous. Ok. Hey, Sindri. Ta forge était de l'autre côté de la fresque la dernière fois. En voilà un qui a l'œil. Je suppose que les elfes blancs préféreraient la voir de ce côté-ci. Ils ont un certain souci de l'esthétique. Pour être honnête, je n'en sais pas plus que toi. Enfin, à forge donnée, on ne regarde pas le soufflet. Quel bazar. Allez, bonne chance. Ciao, Sinouille. Ok, la fresque. Les géants ont toujours aimé cacher ça pour ça. Bonjour. Attends un peu de voir ça. Et que lui, il est capable de faire ça. C'est pas mal. C'est pas mal de pouvoir faire ça. Ah oui. Ici, on voit Groa qui cherche son époux. Elle n'a jamais perdu l'espoir de le retrouver. Méditant des semaines durant, sans interruption. Malheureusement, c'est autre chose qu'elle a trouvé. Une vision du Ragnarok. La vision de Groa est parvenue à Oda. Il l'a fait quérir pour lui demander une séance privée. Il n'a pas aimé son histoire, semble-t-il. Oh, il l'a buté. C'est Oda qui l'a tué. C'est le... Ah, encore le bois de fer ? Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est le sanctuaire mystique des géants. Il est à Jotunheim ? Je sais que certains géants le pensaient, mais le bois de fer n'est pas un lieu, petit. C'est un concept, un paradis métaphorique. Il n'est pas réel.
On raconte que Groa a voulu que ses cendres reviennent à Jotunheim. Il est où, Tyr ? On dit que son âme trouverait la paix dans la lumière. J'imagine mal Oda respectant sa volonté. Le champion. Je crois que c'est censé être... moi. Tu présumes trop. Oui, mieux vaut ne pas prendre ces allégories au pied de la lettre. Les prophéties sont trompeuses par nature. Quoique, certaines sont plus limpides que d'autres. Le Ragnarok. Oui, la fin de toute chose. Alors c'est fini. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'empêcher. Il faudrait qu'on évite le Ragnarok. Ça doit être possible. Pourquoi cacher cela, sinon? Regarde, Tyr. Voilà ce qu'on a vu. C'est toi, combattant au Ragnarok. Non. Je... Ah. C'est quoi, ça? C'est nouveau. What? Il a détruit une partie de là? Asgard est détruit? Ouais. What the fuck? Yggdrasil va pas bien. Mais pas les autres royaumes. Et Odin meurt. Elle a menti. Groa a menti? Évidemment. Odin se base sur une fausse prophétie. Alors, on peut gagner le Ragnarok. On peut battre Odin. Let's go. Nous ne faisons pas partie de ce récit. Mais c'est Tyr qui menait la charge contre Asgard. Et puis, l'armée de Hel. Et les elfes. Le champion. D'accord. Peu importe de qui il s'agit. Pour la première fois, on sait quelque chose qu'Odin ignore. On sait qu'on peut gagner. Tyr. Il est gentil, Tyr. Je ne laisserai pas une prophétie me dicter mes choix. Mais on vient de non, te voir. Atreus, tu te trompes. Il est si grand. Viens, nous avons à parler. Nous avons à parler. Il est temps. On n'empêchera pas le Ragnarok. Mais on peut le gagner. Si Asgard est détruit, Odin ne sera pas la seule victime. Il doit y avoir un autre moyen. Du coup, c'est quoi le plan, là? On avance, c'est ça? Peut-être devrait-on sortir d'ici d'abord. Oh, dear. D'accord. Et voilà. Oh, tiens, toi, par derrière. Hop là, dans l'eau. T'es mort? Ah, non. Il a l'air d'avoir du fight. Oh. Je pensais que j'allais le cancel, la cancel. Là où le gens s'arrêtent. C'est toujours un d'appuyer deux fois sur elle, d'avoir le réflexe. Genre. Non, non, tu vas pas évoluer. Voilà. Là, il va y avoir un giga fight. Allez, tombe. Prends bronze terminé. Oh. Et du coup, ça, est-ce que ça me permet... Attendez. En bronze terminé.
or. Ah ok, ça permet juste de donner des trucs en... Ah, c'est ça qui permet de mettre une amélioration. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Il se bat sur quoi là? Qu'est-ce qu'il fait? Elfe blanc sur la gauche. Mais putain, sa race. Mais laissez-moi jouer! Merde, j'ai plus ma cam. Mais. What the fuck, dude? J'ai même pas eu le temps de réagir. Pourquoi Atreus était déjà en bas? Excusez-moi. Peut-être passé un peu trop de temps dans le menu. J'ai fait ça avant que je fasse ça. Y'a aucune raison que ce soit déjà en bas. Elle se blanc sur la gauche! Attention, dans les airs! J'aimerais bien choper lui! J'arrive pas. Il où l'aide? Non. C'est pas mal en vrai. Voilà, tu vas faire quoi maintenant? Excusez-moi. Ça fight, hein? Ah! L'autre il fait que courir. Hâtez-vous avant que d'autres n'arrivent. On se hâte. Oh les couleurs, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux monter là? À droite, attention! Y'a rien. Mon frère, ce petit salopion va exploser. Je sais. Oh, qu'est-ce qu'elle pue? Carrément quoi? Allez, ciao. On avance hein. On n'est pas du tout en train de reculer là mon ami. Derrière toi, prends garde. Wow, j'ai tellement dit. Et tu dis? Oh, y'a un truc de life là. Merde. Non. Attends. Assez. Moi j'ai un giga ralenti là. J'arrive pas à parer! Utilise ton bouclier, mon frère! Heureusement qu'il y a un tir en dessous. Ah putain! Alors, à chaque fois le double coup. T'avais besoin de rien. Allez, renvoyez. Viens, enfin.
Non. Ok, c'est double. Ok, c'est double. Je vais pas utiliser mon revive ici. Trop stylé, un fight de boss. Vive les fights de boss. Ok, on a ultra difficile, c'est difficile. Mais ça va le faire. Ouais, on y va. On va commencer comme ça. Je les cancel. Oui, non, mais c'est bon, j'ai compris ça. Je vais prendre un coup. Ouais, je vais prendre un coup. Ça doit faire mal, mon frère. Ça va bien. Et putain. Ça vaut pas le coup. Ouais, faut pas faire ça. Faut mieux taper. Utilise ton bouclier, mon frère. C'était chaud. Heureusement que ça a fait un putain de ralenti. Oups. Ok, c'est pas grave. Elle m'a touché. Absolument, je la cancel. Elle est où? Faut voir pour ce que j'ai fait, je suis un débile. Non, j'ai couru dedans. J'ai si mal joué la fin. J'ai si mal joué la fin du fight. J'avais trop bien joué le début. Bon, ok. Troisième try, je pense que c'est le bon. J'ai fait n'importe quoi. Merde, elle a plus de dodge. Ah oui, au début elle fait ça, c'est qu'au début elle fait pas le... Merde. Ça a dû faire mal. En vrai, ça m'a mis mal d'aller chercher le... D'aller chercher l'île. À droite, mon frère. Merde, c'est pas grave. Le bouclier. Je sais, le bouclier. Ah, je l'ai relâché, je suis en plus. Ça enchaîne, hein. Ouais, c'est le bon moment, c'est le bon moment. On bourre. Putain, tu m'en fous pas. On va la laisser faire ça.
Soigne rien du tout. Bam bam. Oh, c'est gore. Voilà. Tu vas faire quoi maintenant? Tire. On va utiliser mon revive en plus. Non. Un sort de bouclier. Let's go GG, merci. Bon, on a fait troisième try quand même, mais bon. Flamme de glace, je vais pouvoir améliorer ma hache. Et ça, ça fait plaisir. Pardon. Chance élevée d'obtenir un accès de rage à chaque parade. Ah non, ok. Et j'ai eu ça. Offert une grâce de renouvellement à chaque interruption d'attaque signalée par un double cercle bleu. Ou parade. Oh, ça c'est bien parce que renouvellement... Renouvellement c'est bien parce que ça permet de... D'avoir plus vite les sorts. Et les sorts ça cancel et ça fait trop de dégâts. Donc en vrai c'est plutôt une bonne chose je pense. Oh il est tout triste tir. Il est tout triste. Je dirais tir. Oula. C'est non. Terminé. C'est loin d'être terminé. Vas-y vais. Je... Tout se passera bien, Tyr. Tu as vu ce qui nous attend? Je vous ai dit que je refusais de faire la guerre. J'aime et me voilà traînant boss. Une innocente enfant et me dirigeant vers la destruction d'Asgard. Mais est-ce qu'on a d'autres choix? Il y a toujours le choix. Je ne vous mènerai pas à la guerre. Je m'y refuse. Je ne suis plus ce dieu. On rappelle, c'est l'ancien dieu de la guerre. Mais avec vous, on ne peut y échapper. Vous semez les morts par centaines. On m'attaque. Votre voix n'est que peine et souffrance. On m'attaque, bro. Non. Atreus. Malheur. Viens bon. Par ici. Les chaînes. Attends, il a plongé. Allez, on se dépêche. Elle s'est coupé la jambe, hein. Putain, Kratos, il a vite réagi, hein. Oh le petit, merci. Bon. Je voulais pas mettre pause. Non, genre. Oh, t'as vomi là. Pareil, Mimir qui dit pareil. Oula. Tu es blessé. Non, père. Oh, le regard, va lui parler, va lui dire merci. Hé, tire. Merci. Et désolé pour tout à l'heure, je... Non, c'est moi qui suis désolé. Je n'aurais pas dû venir. Il nous a bien aidé quand même. Il faut avancer. Il nous a bien aidé quand même. Il veut plus tuer. Oula. Oh. Qu'est-ce que vous avez fait? Non. Kratos, il est vraiment en mode... Alors. Alors, peut-être. Bon. Écoute. J'essaie simplement de faire ce qu'il faut. Et d'après la prophétie... Ne parle plus de prophétie.
La guerre ne te donnera pas ce que tu recherches, Marcus. Seul il est en full prophétie, lui. Alors que sommes-nous censés faire ? Coucher ? Et attendre ? Assez. Nous discuterons de la suite quand nous serons hors de danger. Partons, là. Je ferai un chemin jusqu'à l'accès mystique. On s'en va, là. C'est fini, les conneries. Wouah ! Ok, les conneries ne font que commencer. Les elfes noirs ! Quel heureux hasard ! J'en ai assez des elfes. J'ai chié de mes jambes. Last minute. Ah, j'ai quand même pris des dégâts, je crois. Ok, j'étais peut-être pas full life après. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, mais c'est rapide cette merde. C'est lui que je veux attaquer, putain. Il est mort. Et merde. Non ! Ça c'est en mode ultra difficile, il évolue après. Qu'est-ce qu'on fait là ? On a l'air comme des poulons contre un mur. Oh shit ! Je suis un début. Tiens, elle meurt. Encore ? Nous devons sortir d'ici. Ah, c'est là ? Attends, pourquoi il y a la nuit ? Par ici ! What the fuck, dude ? Putain, j'ai pile pas vu ce qui s'est passé, j'ai tourné la caméra à ce moment-là. Oh non ! Et du coup, on fight pour qui ? Oh, les elfes. Ça tombe ? Ah, il a atterri de l'autre côté, il est pas tombé. J'ai la haine. Bon, un là. Ah bah, salut toi. Tiens. Eh mais laisse mon fils tranquille là. Oh y'a un caillou. C'est ça, c'est un peu overkill là. On les laisse battre là-bas? Battez-vous hein! Bon courage! Moi je veux juste partir visiblement. Ah oui, je vois pas. Ah, ça n'a même pas leur vie. Non ? Ah, il a évolué. On m'attaque, je crois. Ouais. Ah ! C'est bon, je l'ai vu. Les chaînes, hein, quand il y a deux adversaires. Quand il n'y en a plus qu'un pour venir à la hache. Il est où ? Tour de force. Super. Par ici ? Oui, bah oui. On prend pas le même chemin, mais c'est le même endroit où on va. Putain, j'ai perdu mon don de force. C'est ça que j'aime là, du combat partout là. Ça pète de partout. Bon, il va recasser la porte, je veux voir. Je sais pas du tout casser la porte. Je suis désolé, hein, madame. En fait, j'arrive pas à les geler et à les mettre en feu. Pousse. Dommage. Je vais faire ça, je suis dans la merde. Il tente lui, hein. Ah, il a évolué.
Tiens le fort. Attention à droite. C'était bien pareil ça, c'était chaud. Merde. Regardez les PV qui m'ont enlevé. Vas-y, je vais y. Il m'a enlevé tellement de vie, il m'a enlevé les 3 quarts de mes HP, vraiment, littéralement. Tiens fort. Pas que je prenne de deux coups. Laisse mon fils tranquille. Ok, ouais, je rachète une pierre, c'est pas... On se... Ouais, ouais, on se retrouve, hein. D'accord. J'étais en mode par où je passe, par contre. On y va, on y va. Il faut partir, c'est la merde. Non. Continuez à avancer. Bah oui, avancez, je vais me démerder sans vous. Non, t'as vu pas. À la fois. Faible. Bon, les gens qui vont pas attaquer hein. En même temps. Qu'est-ce qu'il attaque? Oh, ça rase. Je vois rien. Je ne sais pas qui m'attaque. Merde, je suis dans la merde. Pardon, j'aurais pas dû faire mon attaque puissante. Il me fonçait dessus. C'est pas passé loin. Putain, quand on voit plus rien, quand on me prend une bombe et que je vois plus rien là. Ouais. Du coup là il est derrière moi là. J'aurais pu le pousser. Je vais le pousser. Merde. Ciao, dégage. Ah, le lock, vraiment, ça m'en fait. Je veux pas locker en plus. Il met de où lui? Ah, il est là-bas. Ouah, sa race. Eh ben. Ok, ça s'est calmé visiblement. Il y a juste un petit truc qui vient de passer là. Peut-on partir à présent? On y est presque. Par ici. On part, hein. C'est le but. Dans le doute. Ah bah, non, c'est fini. Tu peux casser ça? Ouvre l'accès, je te prie. On va discuter après, je pense. On s'approche de cette fin de live, mesdames et messieurs. On va revenir au calme. Et puis, on va... Freya. Ah. De la guerre, Atreus. Vois par toi-même ce que celle-ci a légué aux terres brûlées. Je n'ai vu cela que trop souvent. La voix, le secret de Groix terminé. Inutile de se presser. Nous devrions explorer ce désert. Hors du vautour. Je sais qu'on ne peut pas se fier à la prophétie, mais nous ne devons pas ignorer ce qu'on a vu pour autant. Carte au trésor. Nous ne l'ignorons pas. Je veux... Nous en parlerons lorsque nous serons chez nous. Attends, mais il se passe quoi?
J'aimerais chercher cet animal blessé que tu as entendu. Ah, c'est le truc de l'animal. Tu... Vraiment ? Oui. Bien. Bon, d'accord. Très bien. Je te suis ? Oui. Mais... Je te suis. C'est toi qui es devant moi, Atreus. Attends, il y a un truc vite fait ou c'est loin à votre avis ? Ça doit être loin, je pense que c'est une quête. Les canyons. Je pense que c'est pas une bonne idée. En plus, faut jamais leur marcher. On devrait pouvoir accéder aux terres brûlées là-haut. Pouvoir passer cette substance elfique. Je me souviens de ces choses. C'est bien le territoire des elfes noirs. Attendez, j'ai cassé les trucs, mais ça m'a. Ah si, ça a cassé les trucs à droite, c'est ça ? Oh, oh toi. Oh toi. Ouah, c'est dur. Il va être par là-bas, là. Vas-y, c'est giga dur, ces trucs-là. Je veux juste te tuer. Je regarde, c'est sur ce chemin-là. Là, je vais le tuer, là. Ok, vous êtes prêts? Regardez. Attention. 3, 2, 1. Hé, Mimir. Retirez-moi. Le Beppi? Le Bébou. Ah bah, le Bébou. J'aurais cru que je serais le géant. Hein? Le Bébou, il est dead. Hein. Tu l'as dit, petit. Oh. Bonjour, voyageur. Oh, il y a une quête? Super. Atreus a entendu des cris de douleur dans le désert. Il faut le tuer, on est obligé. C'est des méchants de Odin. Pareil. Impressionnant. Tu connais bien Alfheim, pas vrai? Il n'a pas une idée de ce que ça pourrait être. Désolé, mais non. Les elfes et moi... Eh bien, disons que tout se passe mieux... On va juste se faire améliorer nos équipements et on va s'arrêter là. Trop gluante à mon goût. Bonne chance dans vos recherches. On verra demain, on jouera demain et on verra si on fait le secret des sables. Pour empêcher le sable d'y pénétrer. Ou si on fait la suite, j'aimerais bien faire le secret des sables en vrai. Trouver un moyen d'atteindre la créature. Une créature, ça m'a l'air cool. Je vais suivre. Allez, on va se faire vite fait juste l'équipement parce que je peux améliorer ma hache. Du coup, là, ma hache est bien plus forte que mes... Ma hache est de plus en plus puissante. Que mes lames. Parce que j'ai pas encore de flamme du chaos. Et en vrai, je suis pas sûr que je puisse améliorer grand chose d'autre. Hein. Ça, je peux pas. Ça je peux pas. Je créerai tout ce que tu voudras. Je peux pas. Bon, je peux juste vendre des objets. Vendre tout. Oh, mais ce sera magnifique dans ma réserve. Merci mon cher ami. Allez, sauvegarder. Toujours faire une nouvelle sauvegarde. On ne sait jamais, on est à 9h04 de jeu. On a bien avancé, ça a bien avancé aujourd'hui, c'était cool. C'était cool. Ouah, il fait tout noir. Attendez, on va peut-être mettre un peu de lumière. Ouah. Ok. Tout va bien. Remarque, on était bien dans le nord. TG. Qu'est-ce que là, ma tête? Mesdames et messieurs, nous sommes sur la fin de ce live. Merci à tous d'avoir suivi. C'était giga cool. On a bien avancé. On a fait... 6, 7, 8, 9, on a fait... Il fait tout noir. Ah! Ok, d'accord. Je viens de l'avoir. À l'aide. Je viens de l'avoir. Mais j'ai jamais vu le film. Mais j'ai la ref. Je crois que c'est... c'est grrr. Bref. Merci à tous d'avoir été ici, d'avoir lurqué tranquillou pendant que j'avançais sur mon aventure God of War. On est à 9h04 de jeu. Il y a une 25e, trentaine d'heures de jeu. En gros, ça dépend de si je fais beaucoup de quêtes annexes ou pas. Et puis voilà, là, ça a un petit peu avancé. Ça a été un peu dynamique. C'était cool en vrai. J'ai bien aimé cette session. Donc ça fait plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Un très bon dimanche également si on se retrouve pas demain. Nous, on sera en live. Sûrement comme aujourd'hui, entre 14h et 15h début du live.
Et puis voilà, un petit live qui dure. Là, ça fait 3h06 qu'on est en live, donc moi, je suis plus dans ces eaux-là pour pas non plus me buter. Et puis voilà, profitez bien, tout simplement de soirée. Prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Et à bientôt. Ciao, bye bye. Bien une prochaine crise des 1000. Des bisous, merci d'être passé. Et bien sûr, c'est écrit là sur le prochain message. N'oubliez pas tout simplement que vous êtes les meilleurs. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Des bisous.